Bonjour à tous et bienvenue dans les Amis Bro, ravi de vous retrouver pour votre émission 100% consacrée à l'actualité Nintendo. Bonjour et bienvenue dans le chat. Aujourd'hui, pas de prière puisque nous avons dans l'émission un invité très spécial. Il s'agit de Léo, médiateur scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle de Angers. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission, ravi de t'accueillir ici, puisque avec toi, nous allons faire aujourd'hui dans les Amis Bro quelque chose d'assez exceptionnel. Nous allons visiter le Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers avec une visite guidée que tu vas nous proposer. Exactement, tout à fait, ouais. Ça va être assez fou, on va avoir toutes les explications évidemment scientifiques sur ce que l'on peut retrouver sur le musée à l'intérieur même d'Animal Crossing, bien entendu, et vous allez voir qu'on va apprendre tout un tas de choses. Évidemment, la fine équipe est avec moi aussi dans ses Amis Bro. Je suis en compagnie de l'ami Antistar juste dessous moi. Bonjour Antistar. Bonjour Ken. Ah, j'ai un renard avec moi, la nouvelle vedette. J'avoue. Moi, je ne lâche pas ma tasse pitch personnellement. Juste à côté de toi, c'est Sylvain, à qui l'on doit évidemment eh bien, la médiation et l'organisation non, de. C'est les Amis Bro, c'est les Amis Bro. C'est nous tous qui avons. C'est la secte, c'est grâce à la secte. Et moi, j'ai ma tasse Death Gone. Voilà. Temps de faire ses sessions. Voilà. Qui montre une fois de plus que cette émission, je le rappelle, n'est absolument pas sponsorisée. On va encore parler de Death Gone pendant une demi-heure dans les Amis Bro. C'est ça. J'avoue, ce serait évidemment extrêmement malvenu. Avant de commencer, j'aimerais évidemment me tourner vers vous le chat. Bonjour d'ailleurs à tous ceux qui sont ici pour ce début des Amis Bro. Est-ce que le son est bon? Vous nous entendez bien? Il n'y a pas trop de gens qui sont trop forts, de gens qui sont trop faibles? La musique n'est pas trop présente? Dites-moi évidemment si tout est bon afin que nous puissions commencer la visite et le programme dans les meilleures conditions possibles. Tout semble parfait. Eh bien écoute, c'est absolument impeccable, merci beaucoup très cher chat, bien aimé. Aujourd'hui vous allez pouvoir évidemment poser des tas de questions à Léo puisque il est là évidemment pour répondre à vous tous. Alors il a rarement fait la visite du Muséum d'Angers à 2000 personnes, mais on va essayer. Il est pas assez grand pour, on manque de place. On va essayer de faire notre possible évidemment pour parler de tout ça. Avant ça Léo, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du coup de cette initiative, d'où vient-elle, qui l'a prise et quel a été le succès rencontré par l'initiative? En fait, tout a commencé parce que j'ai acheté le jeu lorsqu'il est sorti au moment du confinement, tout simplement. Et c'est une licence Animal Crossing que je connaissais bien, j'y avais déjà pas mal joué sur GameCube étant enfant. Donc je savais qu'il y avait un musée, et donc forcément j'avais hâte de compléter ce musée dans le jeu. Et quand je me suis baladé dans le musée, j'ai vu qu'il était vraiment bien réalisé, en fait. Ils avaient fait un gros effort sur la scénographie, sur la présentation des spécimens. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de ce musée dans Animal Crossing en cette période de confinement. Et donc, j'en ai parlé avec l'équipe du Muséum d'Angers et des musées d'Angers. Et donc, au début, on était juste parti sur juste faire un tweet pour la blague. Et puis après, on s'est dit qu'on pourrait aller encore plus loin et profiter de la possibilité d'accueillir d'autres joueurs sur notre île pour faire véritablement une visite virtuelle, en fait, dans Animal Crossing. C'est vraiment le genre d'initiative qui est absolument génial. Franchement, on ne peut que saluer ce genre de choses-là, parce qu'on ne peut plus aller visiter les musées, on ne peut plus aller dans les lieux publics. Évidemment, on n'aura pas la chance peut-être de voir les vraies œuvres devant nous. Sachant que tu as vu, le musée s'agrandit, hein, c'est une des, une des news avec des œuvres d'art. Le Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers, il est composé de quoi exactement à l'intérieur de son musée? C'est-à-dire quelle partie de l'histoire est couverte? Et ben en fait, on va avoir deux bâtiments et donc deux galeries. Une galerie de zoologie, donc ouais. Là on va avoir des animaux naturalisés, ce qu'on appelait auparavant les animaux empaillés. Et puis, on a également une galerie de paléontologie. Donc là, c'est l'histoire du vivant. Donc, on va voir des fossiles. Également, on a aussi des minéraux. Et puis, une salle dédiée à la préhistoire. Donc, c'est vraiment toute l'histoire du vivant qui va être traitée dans le musée. Dans la visite que tu vas nous faire, on va visiter tout le musée ou essentiellement la partie, ossements et paléontologie du musée? Non, on ira partout. Moi, d'ailleurs, ma partie préférée, c'est les insectes. Ah ouais? On ira tout visiter, oui. Comment on appelle l'étude des insectes déjà? L'entomologie. Entomologie, voilà, c'est exactement ça. C'est Grissom dans les experts qui étaient entomologues.
si je me rappelle bien. Ça, putain, la référence. Comment t'as fait pour... parce que j'imagine du coup que ton musée est complet. Oui, oui, là les visites sont... Ah non, mon musée est dans le jeu. Non, il est pas complet. Non, il manque des choses. Et justement, en fait, j'aime bien le fait qu'il soit pas complet. Parce que dans la réalité, un muséum d'histoire naturelle a rarement toutes les collections, en fait. C'est vrai. Et d'accord. C'est rare de trouver un fossile, c'est même quasiment impossible, de retrouver un fossile complet dans la nature. On trouve des fragments, on peut les rassembler, mais finalement, c'est réaliste de voir que la moitié d'un tyrannosaure dans mon musée, par exemple. Alors, donc non, il est loin d'être complet. C'est une question intéressante, ça. Comment est-ce que c'est comme dans Jurassic Park où tu fouilles avec un petit pinceau pour trouver un squelette de Velociraptor ou une griffe ou quelque chose ou comment est-ce qu'on trouve des fossiles dans la Eh ben en fait ça se passe un peu comme ça. Hein. Par exemple, je vais vous parler tout à l'heure du plésiosaure qu'on a dans le muséum d'Animal ouais. Crossing, mais aussi à Angers. Et lui, en fait, on l'a trouvé dans une cave troglodytique dans la région angevine. En fait, les gens chez eux, dans leur cave, dans la roche, il y avait des ossements. Et donc, il a fallu extraire cette roche et ensuite extraire tous les os qu'il y avait dans la roche. Donc, ça a pris beaucoup de temps. On a des outils très minutieux, des petites aiguilles qui ont venir tapoter la roche pour pouvoir extraire le fossile. Ça demande beaucoup de temps. C'est beaucoup moins glamour que dans Jurassic Park, mais d'un point de vue scientifique, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on peut trouver des dinosaures de grande taille sur le territoire français ? Ah bah oui. Si vous allez du côté de la Charente, du côté de Angeac, à Angeac, en fait, on a découvert un des plus grands dinosaures qui a pu fouler notre planète, avec des fémurs qui font bien 2-3 mètres de long. Donc oui, en France, on a eu des gros dinosaures, hein. Mais quand tu parles justement des troglodytes, ça veut dire que dans la région de Tours, là, vers tout ce qui est Amboise, tout ça, où il y a beaucoup justement de troglodytes, il y a peut-être aussi tout un tas de fossiles qui sont peut-être encore cachés. Ah bah bien sûr, cachés. Tout à fait. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, toute la région, cette vallée de la Loire, Angers, Tours, Orléans, c'est une terre qui est riche en fossiles, ouais, tout à fait. Fossiles marins d'ailleurs. Ah, je sens que je vais me replonger en enfance. Hein. Quand j'étais petit, les dinosaures, évidemment, Jurassic Park, j'avais quel âge Jurassic Park ? J'avais 10 ans, alors imaginez un peu. Non, Ken, il est 93, Jurassic Park, t'avais 8 ans. Non, c'est pas 95, 8 ans, 93. Ah ouais. 93, ouais. C'est la même année. Le film a tellement si bien vieilli. C'est la même année que Super Mario Bros, l'autre film avec des dinosaures. Non mais c'est vrai, il y avait une concurrence médiatique annoncée qui n'a jamais eu lieu finalement. Et juste avant, t'avais Petit Pied et la Vallée des Merveilles, quelques années avant. Ah oui, ça c'est une belle référence. Ouais. Comment tu t'es retrouvé au musée d'Angers et à faire ces études-là ? Est-ce que ça te passionnait les dinosaures ou bon bah c'était un job d'été et que finalement c'était pas si mal ? Non, en fait j'ai toujours beaucoup aimé, on va dire, les sciences naturelles. Donc biologie, géologie, j'ai d'ailleurs plutôt fait de la géologie pendant un temps. Mais aussi je voulais faire de la vulgarisation scientifique, donc j'ai d'abord fait du journalisme scientifique, et ensuite je me suis rendu compte que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était être vraiment au contact du public, donc ouais. Plutôt médiateur dans des musées par exemple. Et puis en plus je suis angevin, donc j'étais d'autant plus content d'être médiateur scientifique au musée d'Angers. On a beaucoup d'angevins au sein de jeuxvideo.com. Oui. D'ailleurs, ils ont salué c'est l'initiative. Oui, j'ai vu ça, j'ai remarqué. Carage notamment. C'est quoi le métier de médiateur justement dans un musée ? C'est la personne, c'est vraiment l'idée d'être en. On va faire le lien entre le musée et le public. Donc, on va animer les visites guidées, les ateliers scolaires, les accueils de groupe. Et puis également, c'est nous qui allons concevoir tous les outils de médiation qui sont à disposition du public lorsqu'il visite le musée, afin de justement s'approprier les œuvres qui sont dans le musée et mieux les comprendre. Très bien, alors c'est community manager, quoi. Oh, il ramène tout. T'es community manager. Mais réel. Réel, d'accord. Prends ça pour toi, Sylvain, je pense. Allez. N'importe quoi. Je suis actuellement en train de me rendre, évidemment, sur ton île. Dodo Airlines est en vol, il est parti. Et nous allons pouvoir, dans quelques instants, faire la musique du visée. Cette musique du visée se fera, évidemment, en full cam. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai ma langue à fourcher, c'est ça ? C'est musique du visée. Musique du visée. Comment on appelle ça, une contreprise ? Non, comment on appelle ça quand on quand on a fait, ça y quand on inverse les trucs. Bref, je ma langue la fourchée, désolé. On va faire cette visite du musée en plein écran, bien entendu, avec tes commentaires. On essaiera de poser des questions. Si vous avez des questions dans le chat,
réellement, n'hésitez pas à poser, puisqu'on est là évidemment pour répondre à tout, et Léo sera là pour répondre à tout. Ah, magnifique, le drapeau de ton île, c'est le logo du musée d'histoire naturelle d'Angers, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est le logo des musées d'Angers. Ouais. C'est absolument magnifique. Bonjour. Bonjour. J'ai mis ma meilleure tenue. Je me suis bien sapé aujourd'hui. Oui. Ah, Le look cliché du personnage avec le chapeau de cow-boy et la petite veste. Il y a pas, tu sais, il y a pas de pinceau pour faire des fouilles dans Animal Crossing. C'est vrai, on se contente de creuser. Non, on est tout de suite à l'appel. Oui, c'est un peu plus violent. Bien le bonjour. Je suis ravi. Eh bien bonjour. Ravi d'être sur l'île mayonnaise. Eh bien bonjour à toi. Bienvenue. Qui vient avec sa rose en or là. Je l'ai eu ce matin, donc évidemment je l'exhibe. C'est ma toute première rose en or, suis très fier. C'est normal. Mon très cher Léo, je te suis. Ok, et eh ben c'est parti, suivez-moi. Bah, hop, on va partir à la découverte donc de notre musée. Hop, qui se situe juste ici. Rah, ce musée passé juste à côté de la mairie. Waouh! Il y a une tête de Triceratops, c'est ça, à l'entrée? Ah bah oui, forcément, pour symboliser tout de même que nous sommes dans une île dédiée au musée, on a quand même installé une tête de Triceratops. Est, ouais. Tu es plutôt toi-même, tu es plutôt carnivore ou herbivore en termes de dinosaures, tes préférés? Pendant gamin, c'était l'Ankylosaurus, celui avec sa grosse boule derrière le dos, je sais pas trop pourquoi. Mais je serais quand même peut-être plus carnivore quand même. Ah c'est là même là, plus... c'est fan de carnivore. Je l'étais quand j'étais petit. Je trouve les herbivores bien plus intéressants au niveau des dinosaures. Bien plus, on va dire, complexes et différents. Où te trouves-tu, Léo? Tu es là, c'est merveilleux. Ah, je me sens. C'est bon, je t'ai rejoint. Je me sens comme un petit enfant qui va faire sa découverte du musée. Tu as l'air privilégié en plus parce que tu as Ah oui, là c'est une seul, visite, visite privée donc c'est magnifique. Ça, c'est la classe. Hein. Je suis très étonné. Très très étonnant. Par quoi allons-nous commencer, mon très cher Léo? Eh ben, on va commencer par tout d'abord, je vais te présenter brièvement le musée. Je vais vous présenter brièvement le musée, et puis ensuite, on ira commencer par la galerie des insectes. Ah cool. Parce que en fait, donc finalement, vous faites partie des tout premiers visiteurs d'un musée qui est tout jeune, hein, puisqu'il est ouvert qu'en mars 2020. Donc, on peut se dire qu'on est dans le musée le plus jeune de France, et peut-être le seul musée ouvert aujourd'hui. On a la chance de pouvoir le visiter, ce musée. Et donc, ce musée, en plus, on a la chance d'avoir parmi nous Thibaut, conservateur du musée. Alors, pourquoi on parle de conservateur d'un musée? Ben, en fait, il faut imaginer que le rôle d'un musée va être de préserver des objets pendant, finalement, le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc, voilà pourquoi on a un conservateur dans un musée. Voilà pourquoi Thibaut, il est là. C'est tout simplement pour s'assurer que tous les objets qui sont dans le musée, finalement, ils sont préservés dans les meilleures conditions possibles. Et que derrière, nous, les visiteurs, on puisse les admirer. Au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers, qui est le conservateur? Qui est Thibaut? Qui est Thibaut? Alors, on a deux responsables de collection, c'est Benoît et Thomas, qui doivent être en train de regarder, donc je leur fais un petit coucou également. On les salue, les Thibauts d'Angers. Les Thibauts d'Angers, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, lorsque vous visitez un musée, il faut vous rendre compte que vous ne voyez qu'une toute petite partie des collections. C'est comme la partie émergée de l'iceberg, on va dire. La plupart des collections sont en réserve et sont invisibles pour le public, en fait. Clairement, quand vous visitez un musée, vous ne voyez peut-être que 10% de ce que possède le musée. On est d'accord. C'est vraiment qu'une toute petite partie. Que les 10% qui sont exposés sont 10% d'œuvres ou d'ossements originaux. Il n'y a pas de fake, c'est tout des vrais. Alors non, il peut y avoir des copies. Okay. Non, justement, on peut parfois exposer une copie parce que l'original, est trop précieux. Et lorsqu'on expose un objet, il risque d'être détérioré parce qu'il y a du passage, de la poussière. Donc parfois, pour préserver un objet, on va plutôt faire une copie qu'on va présenter au public et l'original, on le laissera en réserve. À aucun moment, vous ne présentez des objets que vous ne possédez pas réellement ou des copies d'objets que vous ne possédez pas réellement. Non, sauf si on l'indique. Okay. Parce que là, il sera indiqué. Très bien. Est-ce que ça se passe comme dans les musées d'art, je sais pas, comme le Louvre par exemple? Est-ce que vous faites traiter des collections ou enfin est-ce qu'il y a un système de collection? Est-ce que ou est-ce que c'est vraiment que des choses que vous avez trouvées dans les environs ou en France grâce à vos recherches? Non, en fait, une collection d'un musée, elle se crée parce que justement des personnes, parfois des privés, vont collectionner et vont ensuite faire don de leur collection, ou le musée va les acheter, ces collections.
Et puis également, bah, le musée peut trouver elle-même des objets. Ou on peut faire des prêts entre musées pendant les expositions. Donc, ouais, donc ça, se fait ça fonctionne comme les musées d'art. Oui, exactement. D'accord. Ouais, tout à fait. Mais c'est écoute, un peu le même fonctionnement. Hein. Léo, je te suis dans la salle des Allez, insectes. Ouais. C'est parti. Qui se Moi, trouve bien commencer par les insectes. Oui, à gauche. Allons à gauche. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est beau ce musée, hein, de manière générale. Alors oui, en effet, ça n'est pas la reproduction du Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers, mais beaucoup, non, de, ça serait bien. beaucoup de pièces sont communes et nous avons la chance d'avoir un expert scientifique qui peut nous présenter en détail un peu toutes les espèces présentes ici. Même si la disposition n'est pas pareille, l'idée d'un musée reste tout de même la même. Léo, je t'écoute. On a le vrai Thibaut, en fait. Et oui. Exact. Ah, elle me fait peur, en cette fait... pièce. Bah justement, moi, j'aime bien les insectes, parce que en général, bah, on les aime pas. C'est pour ça que j'aime bien commencer par les insectes, parce qu'ils ont pas une très bonne image, hein, les insectes. En général, soit on en a peur, soit ils sont associés à la saleté, à la maladie. Bref, ils ont pas la cote. Pourtant, il existe une énorme diversité d'insectes sur Terre. On en reparlera tout à l'heure. Et clairement, il y en a pour tous les goûts, en fait, hein, chez les insectes. Et donc, bah, avant de découvrir un peu plus en détail cette diversité, on va d'abord apprendre à reconnaître un insecte. Ah oui. Cela, rien de très compliqué, parce qu'en fait, un insecte, il faut comprendre qu'il a un corps divisé en trois parties. Tête, thorax, abdomen. D'ailleurs, le mot insecte, ça vient de là, c'est qu'il a un corps divisé en différentes sections. Insecte, section. Et puis, également, l'insecte, il va avoir... 6 pattes, je vais te compter les pattes. 6, hein. C'est un insecte. Plus ou moins, bah, c'est pas un insecte. Alors, Ken, eh ben, je vais te faire travailler un petit peu. Ouais. Et je vais t'inviter à regarder la guêpe qui est sur ta droite. Très bien. Qui est donc sur sa ruche dans l'arbre. Et je t'invite à compter les pattes. Donc, la guêpe, visiblement, d'après ce que je vois, elle a bien 6 pattes. En tout cas, elle a bien 6 pattes. Les ailes ne sont pas des pattes, on est d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Donc, si elle a 6 pattes, c'est un insecte. Donc, un insecte. Il y a une chance que ce soit un insecte, ouais. Ouais, exactement. C'en est un. Et bon, on va faire un deuxième test. Pour cela, je t'invite à me suivre. On va aller, hop, voir le grand arbre tout en haut. Wow. Et sur cet arbre... Ah, on a quelle horreur. Une autre petite bête qui est accrochée. Est-ce que tu peux également compter les pattes de cette petite bête? Donc là, il y a un gros abdomen, mais il semble qu'il y ait 8 pattes sur cette espèce de bestiole. Ça n'est donc pas un insecte. Eh ben non, on a 8 pattes, plus de 6 pattes, donc ce n'est pas un insecte, hein, c'est une araignée dans le cas présent. Donc les araignées, bah, ce ne sont pas des insectes. Hein. Et d'ailleurs, dans le jeu, ils confondent un peu parfois justement insectes et autres petites bêtes. Et puis nous, parfois, on a tendance également à les confondre. Donc vraiment, les araignées, ce ne sont pas des insectes. Des arachnides comme les scorpions, les acariens, etc., etc. Donc ce ne sont pas des insectes. Mais les insectes, on va aller les découvrir plus en détail. Les scorpions sont des arachnides. Wow. Ouais, ils font partie de la famille des araignées. Ouais. D'accord. C'est bien, j'ai appris plus de trucs en 5 minutes de cette émission que sur les 30 épisodes précédents des Amis Bro. Là. C'est... j'ai toujours. Tu poses question du coup. Hein, j'ai toujours eu du mal à voir quel est le rapport en termes d'évolution entre le scorpion et l'araignée. Puisqu'il doit y avoir un lien, c'est la même famille. Quelque part. Ils volent pas, et c'est le nombre de pattes, je pense que c'est quelque chose. Bah ouais, oui, mais... voilà, il y a le nombre de pattes, et puis après, l'évolution fait qu'ils ont développé des caractéristiques un peu particulières. C'est vrai, il y en a une qui a plutôt développé une queue avec un petit dard pour se protéger des pinces. Question etc. d'une naïveté absolument incroyable. À part les insectes ou les arachnides pris au piège dans des ambres, dans de la sève, il n'existe aucun fossile réellement d'insectes. On ne va pas trouver de fossiles d'insectes. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de fossilisation des insectes. Non, par contre, on trouve des empreintes. C'est-à-dire que le corps de l'insecte va finalement donner une empreinte sur la roche. Donc là, par contre, on a des empreintes de fossiles, des empreintes d'ailes d'insectes, des empreintes de carapaces. Et d'ailleurs, on a retrouvé, on pourra en reparler tout à l'heure, mais dans des crottes fossilisées de dinosaures, qui nous permet de dire que ce dinosaure mangeait des insectes. Puisqu'on a trouvé plein d'empreintes d'insectes vraiment imprégnés dans la roche. Je suis en train de visualiser des traces d'araignées sur des roches de 30 cm à cause de toi, là. C'est... j'imagine qu'il doit y avoir des trucs dans ce genre-là, en plus. Oui, on peut trouver des trucs un peu improbables, hein, tout à fait, dans les fossiles. Déjà, rien qu'une crotte fossilisée, ça paraît improbable. J'avoue. On enchaîne, du coup. Oui, alors du coup, on va aller découvrir cette diversité d'insectes, mais avant, j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, combien a-t-on trouvé d'espèces d'insectes différentes sur Terre aujourd'hui? Oh là 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 là.
Sachant, pour vous aider, que on a à peu près recensé 5500 espèces de mammifères. Donc les mammifères, on est à 5500 espèces. J'allais dire quelques milliers. Je pense que ça ne va pas être énorme. Parce que si on a découvert que 5000 mammifères qui sont quand même plus visibles que les insectes, on va dire, je pense que ça va être, je sais pas, je dirais 9 ou 10 maximum. 9 ou 10 quoi ? 9 ou 10 000 insectes ? 9 ou 10 000. Espèce d'insectes. Okay. Non, moi je dis beaucoup plus. Ouais. C'est un truc genre... Qui dit plus, qui dit moins ? Moi je dis en 500 000. Au moins. Moi, je dis... 500 000, mais c'est énorme. Moi j'aurais dit un peu moins que Sylvain, j'aurais dit 4-5 000 moi. J'aurais dit que c'était à peu près 6 milliards. J'étais parti sur quelques milliers donc. Ah zut, la connexion a été interrompue. Oui, je viens de voir ça. Un souci de connexion. Je vais revenir, hein, bon, t'en fais pas. On va revenir. Et là Léo se rend compte que nous sommes tous des ignares. Bon, on peut pas le deviner, hein, mais il y en a 1,3 million. Ah, ouais, j'étais le plus proche, tu vois. Ah ouais. Tu vois, j'étais le plus proche. Il y a plus d'un million d'espèces d'insectes recensées sur Terre aujourd'hui. Et encore, les scientifiques pensent ne pas avoir tout découvert. On estime qu'il y aurait environ 5 millions d'espèces d'insectes sur Terre. D'accord. Putain, donc clairement, d'un point de vue diversité, la Terre est totalement dominée par les insectes. Hein. D'un point de vue espèce animale, c'est clairement ce qu'on compte le plus sur Terre, ce sont des insectes. C'est juste hallucinant. Et je sais même pas combien... C'est quoi l'espèce d'insecte la plus représentée sur Terre? Est-ce que tu sais... est-ce que tu connais cette... C'est pas les cafards? Hein? Ouais, ce serait peut-être les fourmis, hein, sinon. Peut-être les fourmis également. Les termites, sans doute, pas... très, très nombreuses. Hein. À titre de comparaison, il y a combien d'espèces de poissons qui ont été recensées? Parce que comme les fonds marins, il y a une partie qui est un peu inexplorée, on sait pas trop ce qui s'y passe... Les poissons, ça va être de l'ordre de peut-être 10 000 peut-être poissons. Ah oui, donc oui, ça battra jamais. Tous les vertébrés, c'est-à-dire poissons, mammifères, reptiles, tout ça, c'est à peu près 50 000 espèces. D'accord. Donc vraiment, les insectes, c'est vraiment... Ok. Alors, pour revenir sur le musée d'Animal Crossing, à quel point il est réaliste? Parce que bon, évidemment, déjà, le bâtiment est tout petit et quand tu entres, tu te rends compte qu'en fait, il est gigantesque. Mais à quel point, en fait, Nintendo s'est visiblement, on va dire, rapproché de la réalité pour que... Parce que on peut voir le musée d'Animal Crossing comme un peu le endgame du jeu. C'est on va chercher un maximum de fossiles et d'insectes Sylvain, et de poissons à travers toutes les îles. Sylvain, je te laisse terminer. Juste Léo, il faut que tu rouvres ton île, sinon je peux pas. Oui, je suis en train de connecter. Excuse-moi, Sylvain, vas-y, continue. Pas de souci. Et à quel point effectivement ce musée il est legit par rapport à un musée dans la réalité en fait? Il est réaliste surtout pour la partie fossile, parce que en fait la partie insecte, on n'a pas les insectes vivants. Normalement les insectes sont en boîte épinglés. Ah ouais. Ils vont pas vous révolter dans le musée. C'est rare les insectes qui vivent longtemps, non? En plus, oui, voilà, la temps de vie des insectes, ça dépend lesquels, mais on veut dire, c'est vrai que souvent quand on compare les papillons ont un temps de vie très court, hein, on est de l'ordre de quelques jours, quelques semaines maximum, quoi. Mais c'est vrai que par contre, la galerie de paléontologie est relativement réaliste, dans le sens où la scénographie est bien réalisée, si ce n'est qu'elle est limitée, hein, c'est une seule salle, alors que normalement dans des musées, voilà, on peut avoir encore plus d'objets présentés. Donc forcément, ils ont fait un choix, le nombre d'objets est assez limité. La grosse différence, c'est que dans le musée d'Animal Crossing, ça se compte en quelques, peut-être dizaines d'objets, alors que dans un réel musée, on est plutôt de l'ordre de milliers d'objets. De milliers d'objets, ah oui, quand même, c'est assez impressionnant. Alors, je trouve toujours pas ton île. C'est bon, j'ai ouvert les portes. Hop là, impeccable. Ken l'impatient. Le jeune Ken, insouciant et impatient, qui veut absolument voir. Mais je veux la suite de la visite, là, je sais pas pourquoi il y a une déconnexion. Bon, enfin, la seule raison, c'est Nintendo, hein, et le c'est online ça, de oui. Nintendo, hein, qui peut juste expliquer tout ça. Hein. C'est, en plus, c'est vrai que sur Animal Crossing, je dois bien vous avouer que c'est pas le jeu le plus ergonomique du monde au niveau de son online. J'ai pour tendance à dire que c'est fait exprès afin de ralentir le jeu pour pas que les gens jouent trop vite ou abusent justement des voyages qui sont évidemment une mécanique importante du jeu, mais pas forcément qui est assez pété, donc forcément besoin d'être limité. Mais moi je pense que quand même il y a pas mal d'interférences là-dessus. T'es branché en câble ou en wifi Léo toi? Et ben je suis en câble pourtant. Après je n'ai pas la fibre, hein. Je suis à la campagne, donc le haut débit. Ça arrive tout le temps, les petites déconnexions comme ça.
C'est si tu devais lancer quelque chose. Animal Crossing. Oui, j'en ai connu aussi, malheureusement, pendant mes visites que je propose. Ça arrive. C'est les aléas du direct et puis les aléas techniques, on va dire. C'est les limites des visites virtuelles, on va dire. Et oui, c'est ça. On aimerait bien ne pas avoir ce genre de soucis. On va retourner évidemment dans quelques instants. Je suis en train de me rendre sur l'île Mayonnaise, comme vous pouvez le voir, avec toujours un aussi bon accueil. Il faut le savoir. Et nous étions en train de passer à la suite, donc nous avons appris à reconnaître, grâce au musée et aux explications de Léo, ce qu'était un insecte de ce qui n'était pas. Moi, je posais la question, j'ai toujours voulu savoir c'était quoi l'ancêtre commun entre les araignées qu'on connaît et le scorpion, tu vois. Ils ont bien forcément un espèce de d'arachnide commun qui les compose. Je me demande à quoi ça ressemble. Il y a des légendes qui disent que les insectes ou les arachnides étaient des prédateurs des ancêtres des humains à une époque, et c'est pour ça qu'on en a très peur, nous. Et que la phobie des araignées est quelque chose qu'on a gardé via des sévices de l'évolution, en fait, hein, pour nous préserver, tout simplement, parce que eh bien, les araignées pouvaient nous faire du mal avant, ce qui aujourd'hui n'est pas trop le cas. C'est rassurant. Ah. Savoir qu'on n'est pas fou et que c'est légitime d'avoir cette peur. Allez, on continue. On était sur des insectes de tronc, là. Ouais. Alors, justement, là, on va aller découvrir un petit peu la diversité des insectes. Pour cela, j'ai un petit jeu pour toi. Je vais t'inviter à me retrouver un insecte qui aurait réussi à bien se camoufler. En fait, là, dans la salle, on a un insecte qui a réussi à se camoufler. Sérieux ? Et je t'invite à le retrouver. Attends, camoufler, là, dans la salle. Ouais, dans la salle, il y a un insecte qui a plutôt réussi à se camoufler. Là, on a des papillons, là, on a le bupreste, là, la menthe, elle est pas camouflée, même si elle essaye de m'attaquer. Les menthes religieuses, ça, c'est une espèce de grosse punaise, c'est pas là, je descends un peu. Bon, le bupreste, il voyage violemment. La guêpe ici, ça, c'est pas trop le camouflage de la vie. Là, on a un... Je pense que c'était pas mal tout à l'heure. Ah, pardon, je chauffais. Reviens du côté du bosquet, tu vois. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui l'ont vu? Sans déconner, je vois rien. En fait, tu l'as dit, mais pour toi, elle était peut-être pas camouflée. Pourtant, je crois que... Bon, la menthe religieuse? La menthe? Non, pas la menthe religieuse. Non. Ah, la punaise. Ben oui. La punaise. Ah, j'avoue, je l'avais pas vue. Elle est orange. Non, la punaise jaune, orange qui est à droite. Ah, la punaise orange, d'accord. Ah oui, j'avoue, c'est un camouflage. Ah oui, non, je l'avais bien vu. Ah bah oui. J'ai tellement eu l'habitude de la chasser. La fameuse catacanthus, donc qui est une punaise qui vit pas en France, hein, qui va vivre en Asie du Sud-Est. Et donc elle, bah, on est d'accord, elle est orange, elle s'est posée sur une fleur orange. Et donc ça, c'est une façon de se camoufler, donc une façon de se protéger des prédateurs, hein, tout simplement. On est invisible pour le prédateur. Donc c'est plutôt pas mal pour essayer de survivre. Donc. Et donc, autour de ce bosquet, on peut voir une grande diversité d'insectes. On a vu une abeille naine, on a vu une menthe religieuse, on a vu des papillons qui virevoltent, on a vu donc des punaises. Et si ces insectes ils sont autour des fleurs, bah c'est pas un hasard, c'est parce que de nombreux insectes sont pollinisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et bah ça veut dire que ces insectes vont aider les plantes à se reproduire. Comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué. En fait, la fleur, elle va sécréter une substance très sucrée qu'on appelle le nectar. Et clairement, les insectes, ils raffolent du nectar. Donc l'insecte se pose sur la fleur, se nourrit du nectar, et du pollen de la fleur va donc se coller sur le corps de l'insecte à son insu. Puis ensuite, l'insecte, il va aller sur une autre fleur, déposer ce pollen, et la fleur va pouvoir se reproduire. Et de cette reproduction va peut-être naître un fruit. Et ce fruit, il sera peut-être comestible. On pourrait peut-être être amené à le manger. Ce qui veut donc dire qu'en fait, une grande partie des fruits et légumes que nous mangeons tous les jours sont dépendants des insectes pour être produits. Parce que s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de fruits. Donc nous, on ne peut pas les manger. Et du coup, Animal Crossing pousse ça d'ailleurs assez, de manière un peu exagérée, parce qu'on peut avoir des fleurs mutantes, en quelque sorte, des mutations de fleurs, grâce justement à ces pollinisateurs. Donc il faut pas toujours les chasser, même s'ils rapportent de l'argent, parce que faut les laisser déjà butiner un peu pour que ça crée des couleurs un peu étranges dans votre jardin, si jamais dans le chat. N'oubliez pas, c'est une donnée importante. Exactement, ils ont poussé l'idée un peu loin avec l'hybridation, même si forcément ils utilisent des raccourcis, mais c'est vrai que c'est un peu intéressant, et ils utilisent justement la pollinisation des insectes dans le jeu pour créer des nouvelles couleurs dans Animal Crossing. Heureusement qu'on n'a pas le même système de reproduction, nous les humains. Non, ce serait...
Quoique on butine aussi beaucoup, hein. Pourquoi tu aimes... Sylvain, oh, tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Mais non, mais... dire que j'allais oser demander à quel c'est mal sorti, vous voyez, c'est nous. Très mal sorti. Merci Sylvain. Continuons. Oui. Et donc, pour donner des chiffres, en gros, on estime que 35% du volume de ce qu'on mange tous les jours dépend des insectes, hein, pour être produit. Par exemple, un fruit comme le melon, clairement, le melon, sans insectes, il n'y a pas de melon l'été. Donc vraiment, l'idée, c'est quand même de préserver ces insectes, alors qu'on sait qu'actuellement, beaucoup de populations d'insectes sont en train de décliner, voire de disparaître. Donc forcément, il faut aider au maintien de ces populations d'insectes, ne serait-ce que pour préserver notre alimentation, en fait. Ah, j'avoue, hein, je pourrais pas me passer de melon, moi j'adore trop. Bah oui. Le petit melon jambon, là. Ah, j'avoue. Allez, on va continuer. C'est aussi un vrai parcours initiatique, en fait, dans cette recherche des insectes. C'est que, clairement, ils veulent aussi mettre en avant que sans eux, on peut plus faire grand-chose, en fait, sur Terre. C'est un vrai problème, la disparition des insectes. Ah bah exactement, oui. En fait, s'il n'y a pas d'insectes, déjà ça impacte toute une chaîne alimentaire, et puis en plus, nous, ça impacte notre production de céréales et de fruits et légumes. Donc clairement, les insectes, on en a besoin, on peut pas s'en passer. Ah là, il y a un des insectes les pires de l'histoire de l'univers. Justement. Avant d'aller voir des insectes plutôt jolis, j'aime bien m'arrêter là. Ah, et, dégueulasse. Regardez donc au centre de la grande dalle en bois, regardez le poteau au centre, à droite, on peut voir un insecte qu'on appelle une puce d'eau géante. Ah là là, mais ah c'est... Oui, attends, elle est grosse pour lui. Je 3000 clochettes, hein, 3000 clochettes. Je vais poser une même question. Même vous l'exhiber, j'en ai une sur moi. Sylvain, il résonne en nombre de clochettes. Ah, j'ai fait... On la voit mieux là. J'ai fait la statuette là récemment et la statuette est tout aussi dégoûtante. J'ai une question vraiment bête, ça existe vraiment ce truc? Alors pas de panique, on la trouve pas en France. Ok, d'accord, mais c'est grand comme le bras? Alors non, là c'est exagéré. Okay. Sa taille, elle fait à peu près entre 6 et 8 cm de long. Mais c'est gigantesque. C'est déjà quand même. Trop, c'est déjà trop. Ah, elle porte bien son nom, hein, puce d'eau géante. Et alors surtout, cette puce d'eau géante, donc il vit en Amérique du Sud où... Ou en Asie, elle a une particularité, c'est qu'elle est carnivore, cette puce d'eau géante. Mais non. Si. En fait, cette puce d'eau géante, en gros, elle va manger aussi bien des insectes que des poissons, que des grenouilles. Alors, comment elle fait pour chasser? Elle va se tapir au fond de l'eau, et ses deux pattes avant, si je vous la remontre, regardez ses deux pattes avant, ça fait vraiment comme des pinces. Et en fait, ces pattes avant vont être là pour sectionner le corps de sa proie. Et ensuite, elle va injecter un poison qui va un peu liquéfier l'intérieur de la proie. Oui. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à aspirer le contenant. Donc, alors en fait, terrible. C'est un pays qu'on ne peut pas visiter, du coup. Alors qu'on ne peut plus visiter. Voilà, puce d'eau géante. Vous pouvez regarder des vidéos, hein, il y en a pas mal sur Internet, de puce d'eau géante en train de chasser. Et donc, c'est assez impressionnant. Donc, c'est un insecte carnivore, hein, ouais, tout à fait. Je crois. Alors, il y a pas mal. Tu sais, à chaque fois qu'on apporte un insecte, Thibaut te fait un petit descriptif aussi de l'insecte. Tu as lu un peu les descriptifs qu'il faisait, Thibaut, sur les insectes? Est-ce qu'il est plutôt pertinent dans ce qu'il raconte ou est-ce que c'est très caricatural? Bah, en général, ça peut être pertinent, mais dans le sens où il va donner assez peu d'informations. Ouais. Hein, ça reste souvent très superficiel, ou notamment sur les insectes. Bah voilà, Thibaut, il n'aime pas les insectes en plus. Ouais, lui. Donc clairement, il a plutôt tendance à faire des petites blagues à leur sujet. Mais voilà, souvent, il va distiller une petite information qui est pas forcément mauvaise, mais qui reste légère. Thibaut, c'est bien un hibou. Oui. Les hiboux, c'est pas insectivore, les hiboux. Les hiboux, ils vont plutôt manger des petits mulots. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est ça. Je crois que son espèce à lui, elle est particulièrement carnivore d'ailleurs. Les hiboux, en fait, c'est un gros warrior. D'accord. Les grands ducs. Si c'est un grand duc, oui, les grands ducs ont tendance à chasser notamment des petits mammifères. Horrible ce truc. J'espère ne jamais en croiser de toute ma vie. Hein. Pour l'instant, on est confiné, on risque pas d'en croiser. Oui, c'est ça. Par contre, quand on va revenir dans ce monde auquel on a laissé la nature reprendre ses droits pendant un mois et demi, voire deux mois, je sais pas sur quoi on va tomber. Hein. Bah là, on a commencé déjà à voir des cerfs, des chevreuils qui se baladaient en ville. Ah, mais cette pièce, elle est magnifique. On est obligé de passer par la salle aux papillons.
C'est la pièce qui prouve toute la puissance de calcul de la Nintendo Switch en live avec toutes ses animations. Ah ouais, mais là, ouais, t'as 3 tonnes d'espèces de papillons, c'est incroyable. Hein. Et les papillons sont plusieurs fois présentés dans le musée. Ouais, ouais. Je t'écoute, Léo. Et donc ici, on peut voir... Ouais, vas-y. Quand tu parlais justement du total d'espèces d'insectes recensés, je suppose qu'on prend une espèce de papillon différente dans ce total. On ne considère pas le papillon comme une espèce d'insecte. Tout à fait. Attends, mais les papillons de l'état larvaire à la chrysalide au papillon, c'est considéré comme une seule espèce ou trois espèces différentes comme dans Pokémon? C'est une espèce. Ok, d'accord, merci. C'est une espèce. Très bien. Non, c'est bel et bien une espèce. Hein, oui. Impeccable. Parce que d'ailleurs, en fait, finalement, lorsqu'on regarde un papillon qui vole, c'est qu'une toute petite partie de sa vie, hein, en fait, un papillon va passer la grande majeure partie de sa vie sous l'état de larve, hein, sous l'état de chenille. Et lorsqu'il sera papillon, bah, il va vivre que peut-être une dizaine de jours, en fait. Ah, c'est horrible. Ah, c'est vrai, c'est terrible, parce que... Ouais, c'est quoi les insectes qui vivent le plus longtemps? Parce que t'as expliqué tout à l'heure que les insectes, ça vit effectivement très peu de temps. Oui. Donc, bon, bah, évidemment, on a des phasmes ou des éphémères hein, qui portent bien leur nom. Et puis, t'as parlé de quelques dizaines de jours, mais est-ce qu'il y a des insectes qui arrivent à vivre quand même quelques mois, quelques années même? Ouais, bah, on a un exemple, ce sont des cigales aux États-Unis qui vont en fait hiberner pendant 27 ans. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, et en fait, tous les 27 ans, elles se réveillent et elles chantent. Donc, elles se réveillent toutes en même temps, donc ça fait une joyeuse cacophonie. Et donc, elles se mettent toutes à chanter en même temps. Attends, tous les 27 ans, genre... Tous les 27 ans, mais c'est très précis quand même. C'est très précis, oui, tout à fait. D'accord. Sont très 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 calculés. Alors, j'avais l'exemple d'un insecte, Thibaut, il m'a dit, je crois que c'est l'Atlas, qu'il n'a... Alors, on a perdu... on a perdu Léo. Allô Léo? Ah mince. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, on a plus ta webcam, mais on t'entend. Il y avait l'exemple d'un insecte, il dit... Thibaut m'a dit qu'il n'avait même pas de quoi manger, se nourrir. En fait, dès qu'il est devenu papillon... il peut pas se nourrir, du coup il va mourir très rapidement parce que de toute façon il peut pas manger. Ouais, exactement. En fait, c'est le cas de beaucoup de papillons de nuit. En fait, beaucoup de papillons de nuit qui d'ailleurs portent très mal leur nom parce qu'ils vivent aussi bien le jour que la nuit, mais bon, ça c'est dans le langage commun. En fait, n'ont pas de système digestif, n'ont ni bouche, ni estomac, ni œsophage. Mais c'est la pire forme de l'histoire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils deviennent papillons pour une seule et unique raison. C'est se reproduire. D'accord. Le seul but dans la vie, c'est trouver un papillon mâle ou femelle et se reproduire. Ils n'ont que ça. Ah, ils ont un time over en plus très rapide. Ah bah du coup ils vivent, voilà. Du coup ils vivent uniquement sur l'énergie emmagasinée par la chenille au préalable. Oh. Donc ils vont vivre une semaine. Aïe aïe aïe. Ah ouais, d'accord. Ouais. Quel donc beaucoup de papillons de nuit ont cette particularité de ne pas avoir du système digestif, ouais, tout à fait. Quel mode de vie. Mais alors, si les papillons ont une durée de vie aussi courte, comment ça se fait que on ne trouve pas de cadavres de papillons partout par terre? C'est quand même... ils se désagrègent hyper rapidement? Bah, d'une part, oui, et puis ils vont être mangés par d'autres animaux également. D'accord. En fait, soit ils vont se désagréger rapidement, soit d'autres animaux vont venir s'en nourrir. Et puis, bon, au final... dans la nature, ça va être très compliqué de trouver un cadavre, alors qu'en ville, ce serait sans doute plus simple, mais en ville, il y a quand même beaucoup moins de papillons, donc au final, on les retrouve pas tant que ça, les cadavres. D'accord. Magnifique. Autre chose à nous dire sur cette pièce? Bah en fait, dans cette pièce, on peut voir donc une grande diversité de papillons, plutôt de jour cette fois-ci. Donc là, on a une diversité de papillons qu'on retrouve aux quatre coins du globe. Hein. Donc tous ceux que vous voyez là, vous ne pouvez pas les voir en France. Hein. D'accord. Là, les seuls qu'on peut voir en France, c'est les petits blancs, les pyrides, et les macaons, les jaunes et noirs avec le bout de la queue rouge et bleu. Et donc là, bah, rapidement, juste pour dire quand même que pourquoi finalement les papillons sont si colorés? Ça, on pourrait se poser la question, pourquoi il y a une telle diversité de couleurs chez les papillons? Bah, on n'a pas de bonne réponse, mais on a deux hypothèses, on va dire. Une première, c'est tout simplement pour pouvoir se retrouver entre les espèces. Pour pouvoir, dans le but de s'accoupler, vous êtes un papillon, vous cherchez un papillon mâle ou femelle. Et bah, si tous les papillons se ressemblent, ça va être compliqué pour trouver un papillon de la même espèce que vous pour vous reproduire. Alors que s'il y a une diversité de couleurs et de formes, bah, ce sera beaucoup plus facile pour se retrouver. Et puis, la deuxième raison, c'est... pour finalement éviter d'être mangé par un prédateur. Parce qu'en fait, il y a certains papillons qui vont être très colorés, donc très visibles,
Mais en fait, ça donne un message au prédateur qui lui dit bah, ah, essaie de me manger, tu verras, je suis toxique. Si tu manges, clairement, c'est ton dernier repas. Ah oui, oui, ça c'est les feintes. Exactement. Il y a quelques grenouilles ultra toxiques. Exactement, comme si, ouais. Les grenouilles en Amazonie qui ont des couleurs très flashy. Mm. Et donc, il y a des papillons qui, eux, ne sont pas toxiques, mais qui, par mimétisme, vont prendre la même couleur que les papillons toxiques. Et, ils vont également profiter de la. Profiter de cette protection. En fait. GG. C'est génial. Absolument GG. À l'évolution, le c'est plagiat, ouais. Le plagiat total chez les papillons. Exactement. C'est un peu comme les métalleux chez nous, hein, qui font croire qu'ils sont pas approchables, alors que c'est les gens les plus adorables du monde, tu vois. Tout à fait. Donc voilà pour cette grande salle des papillons. Et donc moi, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de continuer notre voyage. Et puis on va aller voir les fossiles. Allons en salle de paléontologie. Go! Alors j'avais une question aussi. Oui, donc il y a un des insectes, enfin c'est pas un insecte, donc une des bestioles à rattraper les plus terrifiantes de toi Animal Crossing, c'est la fameuse tarentule. Oui. Mais alors, excuse-moi, mais cette tarentule, elle a 10 pattes. Comment c'est possible qu'elle ait 10 pattes cette tarentule? Attends, je regarde l'image sur le. Je regarde dans ma bébétopédie. Regardez, si je vais dans la bébétopédie, je vous assure, la tarentule a 10 pattes. Elle est où, cette sale bête là? Elle est ici. Ouais, regardez, elle a 10 pattes. C'est horrible. Alors en fait, c'est, oui, c'est les deux pattes, ce que vous avez à l'avant en fait. Ça, ouais. ça va être des petites. C'est une bonne question. Pourquoi elle a 10 pattes, tiens, cette tarentule? Tu me poses une colle. Ah, voilà. Voilà. Parce que moi je pensais que c'était les crochets, mais non, il y a les crochets quand même devant. Oui, c'est vrai, effectivement. Ils lui ont fait 10 pattes. C'est affreux. Pour la rendre encore plus. Pour la rendre encore plus. Plus parce que, moi, personne me fait des frissons à chaque fois que je croise une tarentule. C'est une bonne question. Là, tu c'est quoi la différence entre la tarentule et la mygale? Pendant qu'on y est. Ah, bah, c'est différentes d'espèces après. Hein. En fait, il faut imaginer. Qu'il existe... En fait, c'est une grande famille d'araignées qui vont avoir cette tendance à être un petit peu velues, un peu trapues, de différentes tailles. Et donc, en fait, tarentule, mygale, ça peut être des synonymes, et puis ça peut désigner différentes espèces. Il y a une grande variété de mygales, tarentules. Il y a des mygales en France, hein, mais qui sont de petite taille, hein, par exemple. Les tarentules, on va parler de tarentules sur les grosses... Ah oui, il y a des mygales en France. Ah, mais attendez, où ça? Que je sache, je ne vais jamais partir. Je savais pas qu'il y avait des mygales en France. Moi, j'étais pas au courant, j'étais insouciant, je me baladais en campagne, etc. Mais là, donc, il y a des mygales. Alors, ne va jamais dans le comment ça s'appelle, en Franche-Comté, en plein été, vers le territoire de Belfort et tout ça. Il y a de ces bestioles, Sylvain. Mais c'est pas 100% inoffensif, les mygales? Ça dépend, il y en a certaines qui le sont, puis il y a des petites araignées qui ne sont pas, des mygales ni des tarentules, qui sont bien plus toxiques. Je ressors pas de chez moi après le confinement. Moi, tu sais, j'ai grandi à la campagne, j'ai des araignées de la taille de la main qui se baladent dans ma chambre, donc j'ai appris à vivre avec. Ah mon Dieu, mais quelle horreur. On est ravis d'apprendre ça, Ken. Franchement, moi, je préfère avoir des araignées dans ma chambre que ces saletés de coccinelles, hein, qui sont la pire chose qui puisse exister au monde. T'aimes pas les coccinelles? Mais quand t'as des nids de coccinelles chez toi, je te jure que c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Des nids de coccinelles? Ouais. Je sais pas, moi, perso, j'habite en Savoie, donc je croisais des bouquetins. Mais... Cela dit, effectivement... J'ai déjà vu quelqu'un qui avait une relative invasion de coccinelles chez elle, et c'était vraiment, vraiment pénible, en fait. Bref, ça n'est pas le sujet, messieurs, et nous baladons dans le musée aux dinosaures. Alors, tu as passé la première salle, Léo? Ouais. Alors, c'est vrai que oui, je prends le... En général, je commence à parler ici de paléontologie. Donc, dans la salle d'avant, on a en fait quelques exemples de fossiles. On a notamment de l'ambre, qui va être donc une façon... de conserver un organisme pendant des millions d'années. Mais en fait, je m'arrête dans cette salle parce que c'est là où on a les plus beaux, tout simplement, spécimens. Et surtout, on a de la place pour pouvoir les observer, en fait. Donc ici, on est dans la galerie de paléontologie, c'est-à-dire l'étude des espèces qui ont aujourd'hui disparu. Et quand on fait de la paléontologie, souvent, on se base sur des fossiles. Et un fossile, c'est quoi? En fait, c'est un reste d'organisme qui va être conservé pendant des millions d'années. Donc, en général, ce sont les parties les plus dures de l'organisme qui vont résister, c'est-à-dire les ossements, les griffes, les dents, et rarement la peau et les organes, hein, qui, en général, va très rapidement se détériorer. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de squelettes, en fait, dans notre galerie de paléontologie.
C'est beau. Comment on extrait tout ça au final? Est-ce qu'on arrive à avoir les ossements purs, ou il y a toujours quand même des ossements mêlés à un peu de roche, mêlés à autre chose? Bah, faut imaginer que lorsque vous voyez un ossement fossile, c'est plus de l'os comme l'os que nous aurions dans nos corps, c'est plus du calcium. En fait, l'os, il s'est transformé en roche, donc il s'est minéralisé. Donc pas... en fait, quand vous voyez un squelette de dinosaure, faut vous dire que c'est un os qui s'est transformé en roche. Il n'y a pas d'ADN dans un os de dinosaure? Non, il n'y a pas d'impossibilité. Ouais, on ne peut pas trouver d'ADN. Hein. Toute la matière a été transformée en matière minérale, donc vous ne trouverez pas d'ADN. Ouais. Ok. Malheureusement. Pourquoi ça, malheureusement? Bon, ce serait pas intéressant, d'un point de vue recherche scientifique. Pas, hein. Non, pas forcément dans les mêmes idées que dans Jurassic Park, bien sûr, mais plus d'un point de vue scientifique, pour mieux les comprendre, ce serait intéressant. Après, j'imagine que c'est... Enfin, en partant dans la science-fiction, j'imagine que ça serait quand même un rêve pour toi de revoir ces grandes créatures en mouvement, plutôt que simplement leur squelette. Je sais pas. C'est une vraie question. Est-ce que, en fait, je pense qu'il y a des questions d'éthique qui prennent le dessus et qui fait que je préfère les voir sous la forme de fossiles qu'en vrai. Ouais, et puis il y a peut-être des questions de sécurité aussi, parce que c'est vrai. Bon, tout dépend ce qu'on réanime. Hein. Si on réanime un stégosaure, il y a peut-être moins de risques. Oui, c'est sûr. Alors que si on réanime un raptor, oui, c'est sûr que ça va être autre chose. Moi, l'être humain a réussi à croiser des loups pour en faire des corgis. Je suis sûr qu'on réussira à croiser des tyrannosaures pour en faire une bébête mignonne. Vous en faites pas. Tant que personne ne se croise avec Sylvain, ça va aller. Tout à fait. Donc dans cette salle, en fait, on a surtout exposé des dinosaures. Forcément, parce que c'est finalement les fossiles qui nous fascinent tous depuis qu'on est enfant et que voilà, on les connaît tous, les dinosaures. Mais il n'y a pas que des dinosaures, il y a des intrus. Ah. Donc Ken, justement, est-ce que tu serais capable de me trouver un intrus? Alors moi, je vois cette espèce de truc qui me perturbe énormément, pas le spinosaure qui est magnifique, mais le coprolite, là, c'est pas un dinosaure, ça, le coprolite. Ah ouais. Alors ça, on en reparlera après, parce que le coprolite est quand même lié au dinosaure. D'accord. Donc, par contre, il y a un fossile, un être vivant fossilisé qui n'est pas un dinosaure, il y en a même plusieurs. Alors attends, la définition de dinosaure, c'est quoi? C'est fonction de la période à laquelle les êtres ont vécu, c'est ça? Non, même pas, non, c'est un groupe. C'est un groupe comme les mammifères, comme les poissons. On a le groupe des dinosaures. Ok, je cherche. Donc, on a certains spécimens qui ne sont pas dinosaures. En fait, tu chauffes, t'es bien là en fait. T'es du bon côté. Toute cette partie gauche là, ce ne sont pas des dinosaures. Ça, c'est pas des dinosaures? Non, c'est pas des dinosaures. Mais ça, pourtant, non. Il s'appelle Ophthalmosaur, c'est le dinosaure qui ausculte les yeux. Alors, zor, ça veut dire reptile, ça veut pas dire dinosaure. Mais oui, d'accord. Oui. Et justement, on va regarder cet Ophthalmosaurus, parce qu'il est rigolo avec son œil gigantesque. On va le regarder, celui-ci, parce que, regarde sa forme, elle te fait penser à quoi, cette forme de l'Ophthalmosaurus? Quel animal te fait-il penser? Un ornithorynque. Ah oui, un petit peu. Ouais, un phoque, un ornithorynque, un dauphin. Moi, je pensais au bec du canard, ouais, aussi. Quelque chose qui vit dans l'eau, hein, on est d'accord. Ah ouais, non, ça vit dans l'eau, 100%. Alors que pas du tout, c'est ça le truc. Si. L'Ophthalmosaurus, il vit bien dans l'eau. Mais c'est rigolo de se dire qu'il a une forme qui ressemble à un ornithorynque ou un dauphin, qui sont par exemple des mammifères. Mmh. Alors que c'est pas du tout un mammifère, c'est un reptile. Donc c'est vraiment pas du tout la même famille. Ah oui, mais finalement, il a une forme qui lui ressemble. Et donc, l'Ophthalmosaurus, il faut imaginer qu'il fait à peu près 6 mètres de long, hein, c'est un prédateur. 6 mètres? Ouais, c'est un beau bébé, hein, quand même. Et puis, il a un œil gigantesque, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Ophthalmosaurus. Hein. Son œil fait à peu près 30 cm de diamètre. En gros, c'est un ballon de basket. Faut imaginer que ses yeux sont des ballons de basket. Son œil est aussi grand qu'un ballon de basket. Ouais, mais s'il fait 6 mètres, c'est pas étonnant qu'il ait un œil de ces dimensions. Ouais, c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même, mais c'est vrai que niveau proportion, en termes de proportion, c'est gigantesque. Là, sur le fossile, l'œil, il apparaît. Mais quand on trouve un fossile d'ophtalmolosaure, est-ce que l'œil est aussi bien fossilisé ou on trouve juste un creux dans la cavité crânienne? Non, on va trouver soit un creux, soit peut-être un renfoncement qui était là pour protéger l'œil, mais on retrouvera pas l'œil exactement. Donc ça, c'est fait comme ça, histoire de rendre le fossile un peu plus stylé, d'accord. Sans doute plus visible. Et un peu moins flippant aussi. Pourquoi il a un œil aussi gros, cet Ophthalmosaurus? L'hypothèse, c'est que il devait chasser soit de nuit, soit en grande profondeur, dans des endroits où la luminosité est très faible. Donc, finalement, avoir un œil très grand, ça permet de capter un maximum de lumière pour pouvoir voir ses proies et ensuite les chasser.
Très bien. C'est logique. Magnifique en tout cas. Absolument magnifique. Juste à côté. Et bah juste à côté, là je suis obligé d'en parler quand même, c'est le plésiosaure. Oh là là. Donc lui c'est également, ce n'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. Oh non, encore une erreur de communication, oh c'est pas possible. Mais c'est enfin le tous ces à ton avis pourquoi est-ce qu'on les est-ce que du coup Animal Crossing les a rangés dans la partie dinosaure parce que du coup il y a le zor à la fin en gros ou ils sont pas forcément c'est pas forcément une salle dédiée uniquement aux dinosaures, on a des dinosaures dans cette salle mais pas uniquement. Par contre, ils ont bien fait ce qu'ils ont bien fait c'est qu'ils ont bien séparé ces espèces, ils ont mis d'un côté et ils ont mis les dinosaures au centre. Ils ont bien ils ont rangé, on va dire, dans les bonnes familles les différentes espèces. Okay. Comment est-ce que tu expliques cette fascination qu'ont les gens pour les dinosaures ? Oh, bah, je pense que c'est dû, au film, au livre pour enfants, c'est dû à Jurassic Park, c'est dû à toute la culture populaire qui s'est créée autour des dinosaures, en fait, qui est, je pense, liée en partie au fait qu'aux États-Unis, on a trouvé de nombreux dinosaures dans les années au XXe siècle, et donc du coup, ça crée un engouement, et donc cette culture s'est ensuite exportée, et ensuite, ouais. Du coup, aujourd'hui, on a une passion, on va dire, internationale pour les dinosaures. Qui est lié, qui a imprégné la culture populaire et qui fait qu'aujourd'hui, on les aime tous en général. Bah ça, et puis il y a ce côté, c'est une espèce avec laquelle l'être humain n'a jamais cohabité aussi, donc du coup. Oui, en plus, voilà, il y a quelque chose de mystérieux. On est séparés de dizaines de millions d'années avec les dinosaures quand même. C'est... Et puis l'idée aussi qu'on les a rendus peut-être plus féroces qu'ils ne l'étaient pour qu'ils soient encore plus impressionnants. Alors j'attends ton indication pour savoir si je peux revenir. Je suis en train de me connecter, oui. Impeccable. Si ça se trouve, dans des milliers d'années, on sera les dinosaures de la prochaine espèce intelligente. Oui, exactement. Peut-être. Donc, on connaît déjà des dinosaures, Sylvain. Regarde Trunks, par exemple. C'est vrai. Super Panda et... et Logan. Le Fur et Logan, voilà. Qui sont les trois dinosaures de la rédaction de Jeux. Et il y en a qui sont particulièrement bien fossilisés, comme la Mua. <C'est ça>. Petite private joke interne JV, hein. Désolé. Léo. Parce que voilà, c'est les plus vieux, c'est les plus vieux de la rédac. Voilà. Donc, t'as quel âge d'ailleurs, Léo? Ne réponds pas à cette question, it's a trap. Es-tu un fossile également ou pas du tout? Non, moins encore. Enfin, je me considère pas comme un fossile, non. D'accord. Encore très la connexion jeune. Est en cours. Je vais essayer de... On a refait encore une fois une belle pub pour le online de Nintendo. C'est la preuve d'ailleurs une fois de plus que cette émission n'est pas sponsorisée. Si elle était sponsorisée, on aurait un live qui fonctionne parce que Nintendo nous fournirait des serveurs spéciaux qui marcheraient. Ouais, le live fonctionne très bien, c'est moi qui stream, il n'y a aucun problème. Hein. On vous entend bien, c'est nickel, les explications, moi je me régale, là, je suis comme un enfant. Et je sais pas pourquoi... C'est vraiment super intéressant. Ouais. C'est peut-être, de mon côté le fait d'avoir à la fois le Discord et le live... Bah, ta caméra a sauté, tu vois, là par exemple, on ne voit plus... Non, c'est moi qui l'ai enlevé tout à l'heure justement pour être sûr que... Que peut-être que la vidéo soit... Le son, en tout cas, ou la connexion soit meilleure. Hop. Après, si tu préfères, sinon, moi, je peux regarder le stream et on se met dans ton musée et tu te... Bah, t'auras... Ouais. C'est vraiment... Ouais, il y aura c'est un délai. Ça ne fonctionne plus. Il y aura quand même 20 secondes de délai, mais on pourra faire ça si tu veux. Si jamais ça ne fonctionne pas, je préfère me rendre chez toi, là, pour le moment. Ne t'en fais pas, c'est cool. Donc là, le dernier non-dinosaure que l'on voyait... ressemblait très fortement au monstre du Loch Ness, non ? Exactement, bah tout à fait. Ouais. Bah justement, parmi les théories qui expliqueraient le monstre du Loch Ness, ce serait l'existence d'un plésiosaure qui aurait survécu et qui serait toujours présent en Écosse. Bon, bien sûr, c'est sans doute vraisemblablement faux. Mais ce plésiosaure, en fait, il est fascinant parce qu'il a donc ce très long cou. Donc c'est un prédateur, un grand prédateur marin. Pareil, il devait faire dans les 6 mètres de long. Avec un long cou qui lui permettait de chasser. Et donc, les plésiosaures, ils n'ont pas tous des longs coups. Il y en a certains qui ont des coups bien plus courts, comme celui qu'on a au musée d'Angers. En fait, à Angers, on a un plésiosaure qu'on a donc trouvé dans la région angevine. Et on l'appelait Vorax. Nous, on lui a donné un petit nom, il s'appelle Vorax. Parce que forcément, c'était sans doute un animal avec un appétit sans doute important, et avec une mâchoire garnie de nombreuses dents qui lui permettaient donc, de se nourrir de poissons, etc. Mon île est ouverte à nouveau, si tu veux me rejoindre. Normalement, je devrais te trouver. Je te Sylvain, trouve. Je propose qu'on renomme Trunks Vorax pour les raisons évoquées. Oh, grave.
Ah ouais, complètement. La question du gros appétit, surtout, pas celle des dents. Léo, tu peux rappeler comment on appelle, du coup, cette catégorie de reptiles marins qui ne sont pas des dinosaures? Bah alors, ça, c'est les plésiosaures. Ok, c'est tout s'appelle des plésiosaures, du coup. Non, les plésiosaures, c'est celui avec le long cou, qui, voilà, c'est une grande famille, il y en a plein de plésiosaures différents. On a vu l'ophtalmosaurus, on peut parler également de l'ichthyosaure, bref, il y en a plusieurs, hein, d'autres familles qui vivaient au temps des dinosaures, mais qui ne sont pas des dinosaures. On a Barkovitch qui dit que le online préhistorique de Nintendo aurait sa place dans le musée. C'est pas tout à fait faux. Alors, j'avoue que la stabilité, regardez, à chaque fois que vous devez rejoindre une île, il faut du temps. Bon, c'est un peu comme dans la vraie vie, quelque part. Un voyage en avion, ça demande quelques préparations, mais c'est vrai qu'il est long, il est fastidieux. Dès que quelqu'un se reconnecte, lui doit venir sur l'île et il t'est prévenu, il bloque absolument tout le monde. Tu vois, tu peux pas venir repartir naturellement. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est parce que Nintendo, Ken. Voilà. Je sais pas pourquoi tu cherches une autre explication, en fait. On l'a dans le nom qui est marqué sur la console sur laquelle tu joues. Ton explication. Ça a toujours été une galère sans nom, donc bon, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Si t'as un produit Apple et que tu te poses la question de pourquoi il est cher, regarde la pomme qu'il y a au dos, la réponse est là, elle est dans la pomme. Après, c'est une sécurité aussi, hein, d'avoir ce genre de choses-là. Aussi, le manque de chat très rapide, très clair, ou de vocal directement activable. C'est des choses... Elle est mignon ton petit rhinocéros là sur ton île. C'est des choses qui sont là aussi pour empêcher les malotrus. Exactement. De faire du mal. Donc oui, c'est une sécurité, mais c'est vrai que c'est frustrant pour ceux qui ont l'habitude des jeux online de base. Allez, on retourne dans la pièce. De toute façon, on a 2 heures pour visiter ce musée, on est bien. Préviens à Nagoon qu'on n'a toujours pas terminé, il doit le savoir, hein, de toute façon, mon très cher Sylvain. Ouais, donc je t'attends dans la grande salle. Yes, je suis juste derrière toi. Parfait. Il y a un autre visiteur. Ah oui, mais c'est un de tes habitants. Ah oui, exactement. Je suis curieux d'assister à la visite. Cookie, elle est trop mignonne. Elle veut toujours être une star. Elle connaît les noms en plus. Exactement. Alors, on a vu à gauche, c'était pas les dinosaures. Et puis au centre, et puis à droite, là, on a les dinosaures. Donc au milieu, forcément, les grands herbivores, le Diplodocus, le Brachiosaure, sont gigantesques. Donc eux, des grands herbivores. Donc on estime qu'ils devaient à peu près manger aux alentours de 300 kilos de feuilles par jour. Hein, pour 300 nourrir, kilos de feuilles. Ouais. Donc ouais, il faut imaginer voilà, le volume de végétaux ingurgités pour faire fonctionner une telle bête, forcément. Mais je comprends pas l'intérêt, entre guillemets, hein. Quel était l'intérêt à l'époque de cette espèce animale? Puisque, enfin, j'imagine, vu la taille, elle ne connaît aucun prédateur, c'est pas possible. Bah, elle pouvait sans doute, il suffit d'avoir de grands carnivores qui chassent en groupe. Oui, c'est ça. Pouvaient sans T-Rex, doute s'attaquer. Par exemple, d'accord. Mais c'est vrai qu'actuellement, par exemple, l'éléphant a peu de prédateurs également, parce qu'il est quand même relativement de grande taille. Ça va être surtout les petits, les éléphantaux, qui peuvent être, attaqués. Là, c'est peut-être pareil, hein, peut-être que chez le Diplodocus et le Brachiosaure, c'était les enfants qui allaient être chassés par des prédateurs. D'accord. J'adore. Donc là, on a les. Oui. Elle est trop mignonne, le petit personnage. Petit cookie. Et donc, au-dessus des grands herbivores, on va avoir d'autres herbivores. On a le stégosaure qu'on reconnaît avec ses plaques sur son dos. Donc, plaque qui devait l'aider soit à réguler sa température ou peut-être à impressionner les autres, en fait, stégosaures, par exemple, dans l'idée d'une parade amoureuse ou une défense de territoire. Et puis, juste à côté, on a l'ankylosaure, qu'on reconnaît avec sa queue en forme de massue, qui devait, lui, l'aider plutôt à se défendre contre des prédateurs. Franchement, il a l'air d'être bien armé, un peu façon tatou, aujourd'hui. Un peu façon tatou, exactement, ouais, tout à fait. Avec une carapace relativement importante pour se protéger. C'est la même époque, ces deux dinosaures-là ? Pas forcément. En fait, c'est vrai que les dinosaures, ils ont vécu pendant très longtemps. Hein. Mmh. Les dinosaures, ils ont vécu entre 240 millions d'années avant notre ère, jusqu'à 65 millions d'années. Ah donc ouais, ils ont quasiment vécu 200 millions d'années, les dinosaures. Ouais. Donc, par exemple, oui, si on prend le T-Rex n'a jamais croisé de Diplodocus de sa vie. D'accord. En fait, il y a un écart de 100 millions d'années entre le Diplodocus et le T-Rex. Ah oui, quand même. 100 millions d'années. C'est... Alors que, à titre de comparaison, nous, l'espèce humaine, on est là que depuis 200 000 ans. Pardon.
Effectivement, on a encore un peu de marge. Voilà. On a de la marge. Hein. Ouais. C'est sûr que forcément, dans les films, dans les livres, on va mélanger toutes ces espèces. Alors qu'en fait, d'un point de vue paléontologie, ça n'a aucun sens, puisqu'elles ne vivaient pas au même moment. Très bien. C'est marrant parce que même si effectivement l'empreinte de l'être humain sur la planète est impressionnante et très discutable quand on y réfléchit, elle est minuscule sur la durée par rapport à celle que les différentes espèces de dinosaures ont pu avoir. Parce que donc, on n'a même pas 1 million d'années pour nous, alors qu'ils ont cohabité, se sont succédés plusieurs, donc centaines de millions d'années, tu dis. Ah bah oui, tout à fait. Ouais. On n'est rien. À côté de Mario, il devrait arrêter de prendre Yoshi pour avoir une aventure. Il lui doit un respect, mais illimité. Là, c'est... Quelque part. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain ? C'est parce que j'ai parlé de monture, c'est ça ? Non, mais c'est vrai, ouais, c'est juste la liaison d'idées. On est vraiment peu de choses par rapport à eux sur la frise chronologique de l'histoire de la planète, en fait. Ah oui, bah oui, exactement. Si vous prenez une frise, imaginons l'histoire de la Terre, qui fait, on va dire, 5 mètres, les humains, c'est peut-être 1,5 cm. Voilà. Alors Léo, on continue, là je suis devant deux dinosaures qui semblent être bipèdes, je sais pas si ils sont bipèdes exactement, mais... Ouais, en fait, ils pouvaient se poser sur leurs pattes arrière, donc on a notamment l'iguanodon et le parasaurolophus. Pas facile à dire celui-ci. Donc l'iguanodon qui a la particularité d'avoir un pouce en forme de pointe qui devait l'aider sans doute à se nourrir en fait. J'avoue. Iguanodon, ouais. Iguanodon qu'on a trouvé, on en a trouvé en France, hein, des iguanodons. D'accord. Par exemple. Mais moi j'ai envie de vous parler d'autre chose. Ah. Venez voir. On a le triceratops, forcément qu'on reconnaît avec ses 3 cornes. Magnifique. À côté on a une empreinte de pas. Et puis à droite on a ce fameux objet que tu as remarqué tout à l'heure, Ken. Mais oui. Ce fameux coprolite. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est un coprolite ? Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, il y a des théories qui racontent que c'est un excrément de dinosaure. Est-ce Exactement. La vérité ? C'est vrai ? Eh oui. Coprolite, c'est tout simplement du caca fossilisé. Mais non. Mais oui. En fait, copro, c'est la crotte, l'excrément. Lite, la roche. Coprolite, excrément fossilisé. Donc, ça se fossilise les excréments, et c'est super intéressant, parce qu'en fait, si on étudie l'excrément, on peut savoir ce que mangeaient les dinosaures. C'est trop bien. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé, par exemple, au Canada, un étron relativement grande taille, qui provenait d'un tyrannosaure, d'un T-Rex. Wow. Et donc, on l'a passé au scanner, cette crotte fossilisée. Et en la passant au scanner, on a remarqué qu'à l'intérieur, il y avait plein d'os. Et donc en fait, en voyant tous ces os, on se doute que forcément, le T-Rex devait manger de la viande, puisque finalement, il y avait des ossements dans ses déjections. Et donc après, on fait un parallèle avec sa mâchoire, avec ses dents, donc ça correspond. On se dit qu'avec de telles dents, et vu ses excréments, le T-Rex devait être un gros carnivore. Cras la base. Complètement la base. Donc c'est très intéressant d'étudier les crottes fossilisées, hein. c'est une vraie science. Ça j'avoue, pareil, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que on pouvait envisager ou connaître la couleur des dinosaures, la couleur de peau ou la couleur des cornes, enfin globalement la couleur que dégageaient les dinosaures? On n'a aucune information là-dessus, ou on peut quand même la déterminer? Non, c'est une vraie question. D'ailleurs, si je vous pose la question comme ça, et si je vous dis, pour vous, les dinosaures sont de quelle couleur? Quelle est la première couleur qui vous vient à l'esprit? Moi c'est le gris, et comme un éléphant. Je pense à une espèce de brun sépia un peu. Ouais, souvent on dit. Tu es influencé par la couleur des fossiles. Alors non, en fait, c'est peut-être rose. Souvent on dit vert, gris, brun. Vert, c'est à cause de Yoshi. Qui reviennent. Et en fait, ces couleurs, elles sont liées à plusieurs choses. Elles sont liées d'une part, tout simplement aux productions audiovisuelles et aux livres, hein, Jurassic Park, ces choses-là. Et puis pendant longtemps, on a cru que les dinosaures étaient en fait proches des crocodiles. Et donc, quand on regarde un crocodile, il va avoir cette couleur un peu marron, brun, verte, grise. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné cette teinte un peu terne. Sauf que les dinosaures, forcément, en fait, ce ne sont pas des crocodiles. Et d'ailleurs, les dinosaures, ils n'ont pas totalement disparu, en fait. Hein. Les dinosaures, il en reste encore, toujours, de nos jours. On peut croiser tous les jours des dinosaures. Ouais. Mais non. Mais si. Et pour le savoir, en fait, regarde, au sol, il y a plein de lignes. Tu les vois, ces lignes oui. Qui permettent, en fait, de relier les familles. Donc là, on est sur la ligne des dinosaures. Donc je t'invite à la suivre, cette ligne des dinosaures. On la suit. Et regarde, quitte la salle et part sur une salle sur la droite. Hop. On va y aller dans cette salle.
Il devait quand même avoir un paléontologiste ou quelqu'un qui était proche quand même du milieu de la recherche sur les dinosaures chez Nintendo pour reconstituer un musée comme ça. Sans doute, ils ont dû demander, ils ont dû prendre conseil. Ouais. Ce que tu dis au niveau des détails, c'est quand même extrêmement fiable. Rien que ces lignes qui relient les différentes familles de dinosaures, c'est un truc, il faut quand même y penser. C'est pas pour faire joli et faire genre on est dans un vrai musée. C'est-à-dire que non seulement ça fait authentique, mais c'est authentique parce qu'ils ont cherché à avoir quelque chose de crédible. Ouais. Ils ont dû demander conseil d'une part des scientifiques et puis également des spécialistes de musée, je pense, hein, pour créer ce musée. Ouais, tout à mais fait. Dis-moi, Léo, ne serait-ce pas un oiseau? Mais c'est exactement un oiseau, tout à fait. Et oui, bah, les oiseaux, ce sont des dinosaures. C'est pas les oiseaux descendent des dinosaures, non. Les oiseaux, c'est des dinosaures. C'est vraiment la même famille. Sauf que quand, dans le langage courant, on parle de dinosaures, on parle uniquement des dinosaures qui ont disparu. Or, les oiseaux, ce sont des dinosaures qui sont toujours présents parmi nous. Mais tu m'as dit Zor, c'est pas pour reptile? Bah oui, c'est une erreur justement, mais parce que c'était un nom qui a été créé il y a longtemps. D'accord. Est-ce que le Zor de dinosaure, il est lié au terme saurien aussi? C'est la même. Oui, les lézards, c'est ça, saurien, c'est le lézard. Enfin, d'ailleurs, Zor, c'est plus le lézard. Alors que finalement, les dinosaures sont plus proches des oiseaux que des lézards. Mais comme ce sont des noms qui sont vieux, qui datent du début du 20e, bah, en fait, ils sont faux maintenant d'un point de vue scientifique, donc, mais on les a gardés. T'es en train de me dire que les dinosaures, c'est pas des reptiles d'un point de vue. Bah, en fait, si, d'un point de vue scientifique, c'est des reptiles, okay, mais dans le langage courant, ce ne sont pas des reptiles. D'accord, très bien. En fait, c'est le problème entre sa signification scientifique et sa signification dans le langage courant. Donc, ils devaient quand même avoir une peau écaillée, une peau de reptile tout de même. Alors, non plus, parce on a trouvé des fossiles, des traces de plumes, en fait. Donc, on estime que beaucoup de dinosaures avaient des plumes. Non. Notamment le Vélociraptor, on pense qu'il était, en tout cas, bien garni de plumes. Comme une autruche? Comme une autruche, comme une poule. Putain, mais sa chanson style complètement, elle est plus crédible. Mais c'est le problème, mais c'est pour ça, je pense qu'on les reprend comme des reptiles, des lézards, parce qu'on a envie de les rendre féroces. Oui. C'est ça, c'est la vision anglo-saxonne des choses, ils veulent rendre spectaculaire. Dans Jurassic Park 3, je crois, ils avaient mis des plumes au Velociraptor et ça avait choqué pas mal de monde, en mode « mais c'est pas possible », etc. Alors qu'en fait, tu es en train de nous dire que si, c'est plausible. Ah oui, exactement, ouais, c'est plausible, d'accord. Sans doute nombreux avaient des plumes. Et en fait, pour du coup terminer ce que je disais tout à l'heure, comme les dinosaures et les oiseaux, c'est la même famille, et quand on connaît la diversité des couleurs des oiseaux, ouais. On peut imaginer que les dinosaures étaient aussi colorés que les oiseaux. Punaise. Donc en fait, on ne saura jamais la couleur des dinosaures, mais on peut imaginer que finalement un dinosaure pouvait être bleu, rouge, pouvait connaître avoir des parties roses, vertes, bref, qu'il ne soit pas forcément terne comme l'image qu'on en a aujourd'hui. Après, ils vivaient quand même dans des... la jungle était quasiment partout. Est-ce qu'il y avait des dinosaures qui vivaient dans des grandes plaines désertiques Sans doute, oui. Il devait sans doute avoir des... Il devait être... Vu qu'on a trouvé des dinosaures un peu partout sur Terre, ils devaient être adaptés aux différents environnements. Okay. Donc, vraisemblablement. Est-ce que... Il y a Camille Seto qui demande, est-ce qu'il y a véritablement aucun moyen physique d'avoir une couleur qui a peut-être été conservée dans un fossile ou quelque chose comme ça? Est-ce que... C'est un peu comme les traces d'insectes. Est-ce qu'un fossile aurait pu être marqué de la couleur d'un dinosaure? Bah, j'ai envie de dire non, jusqu'à ce qu'on trouve mais en fait les pigments résistent quand même peu à la fossilisation, donc en général les pigments disparaissent avec le temps. Mais peut-être que justement un jour on trouvera un contre-exemple et que ce sera fantastique. Mais du coup l'ancêtre commun des mammifères là, quelque part, il est où? Parce que je vois un autre trait qui part ici, parce que finalement le trait des dinosaures il s'arrête aux oiseaux, il y a que ça. Voilà, donc aujourd'hui, les dinosaures, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 65 millions d'années, il y a sans doute des dinosaures qui ont survécu et qui ensuite se sont diversifiés pour donner la diversité des oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Mais à la même époque, il y avait également les premiers mammifères qui vivaient au temps des dinosaures. Alors, à cette époque-là, ils étaient sans doute de petite taille, genre la taille d'un chat, ils devaient ressembler un peu à des rongeurs, et eux aussi, ils ont survécu. Et pendant 65 millions d'années, ils se sont ensuite diversifiés pour donner la grande famille des mammifères qu'on connaît aujourd'hui et qui est représentée ici par les silhouettes, c'est-à-dire les chats, les chiens, les girafes, les hippopotames, les éléphants, etc., etc. Et puis bien sûr, si on va tout au bout, on a un espace dédié à nous, les êtres humains, hein, puisqu'on fait partie de cette grande famille des mammifères. Donc faut imaginer que
quand on voit la diversité des mammifères aujourd'hui, hein, allant de la baleine aux lémuriens, pas aux lémuriens, à la souris par exemple, bah en fait, faut imaginer que on a un ancêtre commun qui vivait au temps des dinosaures et qui devait faire la taille d'un chat. Ah, mais bon sang, on descend tous d'un chat. C'est pour ça qu'on les aime autant. Bah, c'est pour ça. Donc voilà, en 65 millions d'années d'évolution, bah, tout ça s'est diversifié pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Et ça continue d'évoluer constamment, et puis dans des millions d'années, on aura d'autres espèces, d'autres groupes qui auront pris le pas. Ça change constamment. Très bien, magnifique en tout cas, musée. Tu as autre chose que tu voulais nous montrer ? Bon, on peut passer rapidement voir les poissons tout de même, rapidement ? Oui, s'il te plaît. Allez. Les petits poissons. Donc je vous rappelle, nous sommes en compagnie de Léo, médiateur scientifique au musée d'histoire naturelle d'Angers. Nous visitons actuellement, enfin nous faisons la visite du musée d'histoire naturelle d'Angers à l'intérieur même d'Animal Crossing. Hein. Vous regardez ou écoutez les amis bros hein, sur le stream, une émission de jeuxvideo.com. Ravi en tout cas de vous accueillir ici. Cette visite, évidemment Léo, tu peux la faire pour tout le monde. Hein. Il y a une grande file d'attente actuellement pour faire cette visite. Oui, actuellement, on avait prévu des visites tous les mercredis et les dimanches, et elles sont toutes complètes jusqu'au 10 mai, c'est-à-dire à la fin théorique du confinement actuel. Et donc, pour l'instant, on n'a pas prévu d'autres créneaux à voir, peut-être qu'on en proposera d'autres par la suite. Ah. Mais oui, malheureusement, pour l'instant, elles sont toutes complètes. Merci pour vos commentaires très positifs dans le chat. Ça fait plaisir. C'est mon coin préféré, je dois bien t'avouer, Léo. l'aquarium, il est somptueux. Vraiment. Ah, c'est vrai qu'il est beau cet aquarium. Et là aussi, hein, ils ont fait des beaux efforts pour recréer les environnements, pour recréer différentes thématiques. Donc non, l'aquarium est bien fait. Bon là, on quitte un peu l'univers du muséum pour être plus dans l'univers de l'aquarium. Ouais. Oui, parce que t'as des... Pardon, excuse-moi. T'as des musées voilà, qui ont une collection dédiée à certaines espèces animales ou notamment justement un musée exclusivement dédié aux dinosaures, en tout cas pour ce qui est de la partie animaux. Les aquariums, souvent, c'est un peu des musées dédiés finalement. T'as beaucoup de, je pense à l'aquarium de Monaco par exemple, ce genre de choses. Comment ça se justifie en fait parfois d'avoir un aquarium directement intégré dans un musée comme ça? Bah, en général, c'est vrai que souvent les aquariums ils sont un peu à part, c'est un peu comme les zoos, hein, ils fonctionnent un peu différemment d'un musée. En musée, c'est vrai qu'en général, on va plutôt présenter des espèces naturalisées, donc des espèces non vivantes. Des espèces qui sont encore en vie, ouais. Ouais, donc là, l'aquarium, on est plutôt dans le domaine du zoo, en fait. Hein, donc, Et mais, par exemple, dans les muséums d'histoire naturelle, on a également des poissons, hein, mais qui vont être naturalisés. Donc forcément. Alors Ken, je t'invite à venir tout au fond de la salle. J'arrive, on va dans les profondeurs des abysses. Ouais, très, on très va dans gros. Les profondeurs. Ouais. Hein, parce que, là, il y a des poissons fascinants. Oh là 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 là, ce sera ces poissons-là. Ah, mais t'as un poisson, il est super rare, hein, le poisson avec le crâne transparent, là. Ouais, le micropina, très particulier, poisson qu'on a finalement... Alors c'est intéressant parce que beaucoup de poissons présentés dans le jeu ici, ce sont des poissons pour lesquels on a peu d'informations, ils sont fascinants, mais en fait ce sont des poissons pour lesquels finalement on ne connaît des choses que depuis 20 ans. Par exemple le micropina, on l'a filmé pour la première fois au début des années 2000, hein. Avant on n'avait jamais eu d'image du micropina. Donc on continue de faire des découvertes, hein. Faut imaginer que c'est pas figé, hein. On fait encore... Je me souviens. Oui, parce que de toute façon, ça fait partie des abysses, donc les abysses, ça reste des terrains très inexplorés par l'espèce humaine, donc potentiellement, avec potentiellement énormément de découvertes à la clé, en fait. Tout à fait. Et justement, moi, j'aimerais attirer votre attention sur la baudroie abyssale, là, qui est à gauche. Ah ouais, ce truc-là. Donc avec sa lanterne. Donc la baudroie abyssale, en fait, sa lanterne, ça lui permet de produire une petite lumière qui va attirer ses proies, et qui vont ensuite venir, et puis il va pouvoir donc manger la baudroie. Mais en fait, la baudroie, quand je la regarde comme ça, au vu de sa taille, je peux vous dire tout de suite que ça, c'est une femelle. Ah ouais ? Ça, c'est sûr, cette baudroie, c'est une femelle. D'accord. Alors, à votre avis, quelle est la taille du mâle ? Deux fois ça ? Moi, je pense qu'il est plus petit. Sachant que là, la baudroie abyssale, elle fait à peu près une vingtaine de centimètres de taille. D'accord. Moi, je pense que le mâle, il est plus petit, non ? Ouais, il est plus petit. On doit être dans un de ces cas d'espèce où le mâle est totalement inférieur à la femelle, ouais. Ouais, en effet, le mâle, il fait 3 centimètres. 3 centimètres ? Elle est 10 fois plus grande ! Ouais, et surtout, leur mode de reproduction est assez particulier. En fait, le mâle, qui est donc de petite taille, lorsqu'il va trouver une femelle, il va s'accrocher au ventre de la femelle.
Et à partir de là, va commencer une histoire d'amour totalement fusionnelle entre les deux, puisqu'en fait, le mâle va fusionner avec la femelle. C'est-à-dire que son système sanguin et son système nerveux va fusionner avec la femelle. Donc c'est la femelle qui va nourrir le mâle. Et petit à petit, le mâle va perdre ses organes. Il va perdre ses yeux, il va perdre ses nageoires, etc. etc. Ne va rester que ses organes sexuels, que ses organes reproducteurs. Et en fait, la femelle, lorsqu'elle voudra pondre des œufs, elle n'aura plus qu'à demander, entre guillemets, aux organes reproducteurs de produire des spermatozoïdes pour féconder ses œufs. Mais c'est incroyable. Retourner en situation. Attends, du coup, je vais directement sur cette fameuse baudroie, puisque si je regarde le poisson lanterne, ici, il y a un petit, indice juste en dessous lui. Me dis pas que c'est le mâle accroché là. Ah bah attends, je vais regarder peut-être, hein, peut-être qu'ils l'ont représenté, je l'ai peut-être pas vu, mais ça se peut. Hein. C'est incroyable. Ils avaient osé. Et donc, une femelle peut avoir plusieurs mâles accrochés. Mais non. Ah bah oui. Parce que, autant... on pense que plus une femelle a de mâles accrochés, plus elle est vue par les mâles comme fertile, et donc elle va tirer encore plus de mâles. Ah bah ça se met bien. Ça se met 100% bien. Alors je sais pas si c'est un mâle ou un dard qui est... Il y en a qui assimilent ça au mariage. Punaise. Donc voilà, un mode de reproduction très, très particulier hein, pour la baudroie abyssale. Mais on est d'accord que c'est des poissons qui vivent très 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 loin en profondeur. Comment on a réussi à avoir ce genre de données sur la reproduction Alors en fait, on a retrouvé, donc on a pêché tout simplement ces poissons-là. On peut retrouver le mâle accroché dessus, c'est une première chose. Mais par exemple, pour la baudroie abyssale, des images de la baudroie vivante avec un mâle accroché, elles sont très récentes, elles ont moins de 5 ans. Comment tu fais pour... Par des robots qui sont dans les océans. Non, tu peux les capturer, d'accord, mais comment tu fais pour, une fois remontées à la surface, les laisser vivantes? C'est des poissons qui sont habitués à des pressions gigantesques. Tu peux pas les foutre juste dans un aquarium. Tu ne peux pas. Bah tu voilà, ne peux pas. C'est ça. Ouais, en fait, beaucoup d'espèces des profondeurs ne survivraient pas à la remontée, et donc à la différence de pression, de salinité, de température. Donc en général, elles ne survivent pas. C'est vraiment que pour la recherche, quoi. Et tu en récupères un et voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Uniquement pour le disséquer, tu vas pas l'utiliser pour le mettre dans un aquarium. Et puis pour observer le poisson à l'état en vivant, bah là faut utiliser des robots, des sous-marins qui vont essayer d'observer dans les profondeurs. Mais la visibilité est pas très bonne, donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir ces données en fait. On arrive à descendre profond aujourd'hui avec les technologies modernes. Ah bah on est allé jusqu'au plus profond. D'accord. Okay. Alors c'est James Cameron qui a le record actuel, le réalisateur. On est au centre de la Terre. N'as-tu pas vu le film avec Dwayne Johnson? James Cameron. James Cameron qui est passionné par. C'est pour ça qu'il a fait le film Abyss d'ailleurs, parce qu'il est passionné par les fonds marins. Et il est descendu un des points les plus profonds dans la fosse des Mariannes au Pacifique. Donc à plus de 11 000 mètres de profondeur. Ouais, je crois que c'est sur Disney+, dans la partie National Geographic, il y a le documentaire avec James Cameron justement qui explique tout ça. Donc oui, on peut descendre à profondeur. Après, il faut explorer. Là, pour l'instant, on est juste descendu au plus profond. Ensuite, il y a toute une zone à explorer. Oui, bien sûr. Mais descendre, enfin, ça doit être angoissant au possible de descendre aussi profond. J'imagine même pas la pression sur le véhicule. L'absence de lumière, t'as les créatures ça. Que tu vois. T'es dans le noir le plus total, et puis surtout, tu peux croiser des créatures potentiellement que tu n'as jamais vues, qu'on n'a jamais vues. Elles sont très effrayantes. Qui peut être très effrayant. C'est... Est-ce que James Cameron a fusionné avec une baudroie en pose? Je ne pense pas, là. Je ne pense pas. Ah, absolument, c'est assez fou. Elle avait fait la une de la presse, la découverte du petit poisson là avec le crâne transparent. Excuse-moi, j'ai oublié le nom. Bah oui, il est Micropina. Bah, c'est vrai qu'il est particulier. En plus, lui, il a des yeux qui sont sous sa peau. Sauf que sa peau autour de son globe de sa tête est transparente. Il lui permet quand même de voir à travers cette peau. Et en plus, ses yeux, ils peuvent se balader dans un espèce de gel qui fait qu'il peut voir un peu partout autour de lui. Ses yeux se baladent dans un espèce de gel. Ah ouais. Ouais. Et lui, par exemple, le Micropina, si on le remonte à la surface, c'est comme cette peau, elle est fine, en général, elle s'affaisse, elle éclate, donc on a du mal à observer. C'est pour ça qu'il faut mieux l'observer de son vivant en profondeur avec des sous-marins plutôt que le remonter à la surface. Parce que forcément, il subira un choc dû à la différence de pression. Ouais, et pour ceux qui se posent la question de comment l'attraper, alors déjà, faut vous équiper d'un appât dans Animal Crossing, et surtout, faut trouver une des mystères du jeu. Vous avez plus de chances de l'attraper. Ouais, moi j'ai trouvé hier soir sur mon ponton. Ouais, ponton, moi aussi j'ai trouvé sur les pontons.
Et si tu veux, je te propose de terminer par aller à l'étage, voir une autre espèce que j'affectionne particulièrement. Yes. Donc là, on avait aussi le poisson ruban, hein, que vous avez vu. Mmh. On appelle également le régalec ou le roi des harengs. J'aime bien son nom, roi des harengs. Ah, c'est la même catégorie de poisson que les harengs, le poisson ruban. Non, c'est parce qu'en fait, les pêcheurs norvégiens de harengs l'observaient lorsqu'ils pêchaient les harengs. Ah ouais. Que c'était leur roi. D'accord. Voilà. Trop bien. Franchement, c'est sûr qu'on repart carrément moins con de ce stream. On va regarder ces petites créatures particulières qu'on appelle les clions qui sont dans le jeu. Donc là, elles gravitent autour d'un stalactite, ouais. Un iceberg, parce qu'elles vivent principalement dans l'océan Arctique, en fait, hein, ces petites créatures. Donc leur surnom, c'est Ange des Mers. On est d'accord, ça ressemble à des anges. Elles ont des cornes, hein. C'est peut-être des petits démons. Des petites cornes, justement. Alors, en fait, déjà, tout d'abord, ça, c'est des gastéropodes. En fait, c'est des escargots. Hein. Ah, ok. C'est la même famille. Ouais. Et sauf que, ils sont carnivores, eux aussi. Des escargots carnivores. Ouais. Donc, ce sont plutôt des démons. En fait, lorsqu'ils veulent chasser ces petits anges des mers, ils vont notamment chasser d'autres escargots de mer. Et donc, ils vont déployer 6 tentacules qui vont sortir de leur tête. What on invite à regarder fuck. Des images sur Internet. C'est à la fois aussi joli que terrifiant. Mon Dieu. Et ils vont accrocher donc la coquille. Ils vont la retourner dans le bon sens pour être face à l'orifice. Et ensuite, ils vont tout simplement aspirer tout ce qu'il y a à l'intérieur et gober vivant leur proie. Comme nous, on fait avec les huîtres, quoi, en gros. Hein oui. Exactement. Donc, en fait... ces petites bêtes très mignonnes sont en fait de redoutables prédateurs, mais qui sont magnifiques parce qu'en plus translucides, donc on voit un peu leurs organes à travers. Ne jamais se fier aux apparences. Mais c'est ça, dans le chat, il y a Kira qui cite Lovecraft. En fait, on se rend compte grâce à la visite qu'on fait avec toi que Lovecraft, il avait de quoi faire avec toutes ces espèces. S'il avait vécu à notre époque avec toute connaissance aujourd'hui, il aurait pu faire des tonnes de bouquins. Autour de ces anges des mers, mais aussi du poisson avec parents, etc. Enfin, c'est tous ces trucs-là, c'est hallucinant, en fait. Les récits de Lovecraft sont en train d'être rattrapés par la réalité. Oui, exactement, en fait, finalement, notre imagination est surpassée par la nature, hein, par la biodiversité. Hein. Et donc, ça va inspirer, oui, ça peut inspirer d'autant plus. Hein. Exactement. C'est passionnant, en tout cas. Oui. C'est passionnant et impressionnant, ouais. Et c'est cool hein, d'avoir effectivement ce matériel de base là qui est ce musée dans Animal Crossing, parce que quand on avait vu le trailer, le Nintendo Direct spécial Animal Crossing qui nous présentait le musée, on s'est dit waouh, ça a l'air fou, ça a l'air complet et tout, mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi riche, aussi bien documenté et aussi pertinent. Exactement, et c'est pour ça en fait, c'est le fait qu'il y avait un cadre aussi bien fait. Ça a donné encore plus envie de faire une visite parce que le musée était cohérent. Donc on s'est dit que ça valait le coup de faire une visite dans ce musée. Ça le rendait totalement pertinent en fait. Est-ce que tu penses que ça peut donner des idées, que ce soit aux jeunes chat pour leurs études, ou tout simplement, est-ce que tu penses que votre initiative, ça va permettre peut-être au musée d'Angers de gagner en popularité, de faire venir des gens, ou enfin c'est aussi une initiative de côté là pour Nintendo peut-être de populariser ces musées-là? On l'espère, hein. On espère que ce jeu participe à éveiller une curiosité pour le monde du vivant. Moi, je me souviens quand je jouais Animal Crossing étant enfant sur GameCube, j'ai appris des noms de poissons grâce à Animal Crossing. Pokémon a eu le même effet également. Donc en fait, on peut imaginer que oui, ça va peut-être éveiller des curiosités, sans pour autant créer des vocations, faut pas non plus penser aller jusque-là, mais on sait jamais. Ce serait chouette que ça permette aux gens, ça donne envie aux gens en tout cas, à la fin du confinement, d'aller visiter des musées. Surtout qu'en France, on a la chance d'avoir une grande diversité de musées et des musées d'histoire naturelle de très bonne qualité. Donc clairement, oui, il y a de quoi faire en vraie visite, on va dire, de musées en France. Le musée d'ailleurs va s'agrandir hein, dans pas longtemps puisque il accueillera bientôt une section art, donc qui font aussi partie des musées. Alors pour le coup, c'est pas de l'histoire naturelle, hein, mais un muséum d'histoire pure et dure. Et j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Les œuvres d'art qui étaient déjà présentes dans les anciens Animal Crossing et qui vont revenir ici via évidemment le filou
Runar. Le filet Runar, ouais, qui apparaît aujourd'hui là sur mon île d'ailleurs. Pareil, aujourd'hui, il m'a donné. Je sais pas ce qu'il vous a donné, Runar, comme œuvre. Moi, il m'a donné la laitière. Moi, j'ai pas regardé. Ce matin. La laitière. Je sais pas comment s'appelle ce tableau, mais c'est globalement. Ah le... oui. Ah. C'est le tableau. C'est le tableau de des petits. Oui, le tableau à la laitière. Ouais. Des petits pots de yaourt, la laitière. Voilà. Pour qu'on vienne sur le musée d'Angers, est-ce que en ce moment, j'ai vu que vous aviez lancé une opération de crowdfunding qui a rencontré son succès d'ailleurs, est-ce que vous êtes amené à le faire régulièrement pour permettre la restauration style ou de d'éléments pour le musée? Alors ça peut arriver, là actuellement on n'a pas d'autres projets de crowdfunding pour rénover ou en tout cas ou acquérir un nouvel objet, mais c'est vrai que ça peut arriver de faire un appel aux dons. Par contre, on va avoir une nouvelle exposition qui va ouvrir en 2020, donc j'ai pas de date plus précise à vous donner, et qui va être dédiée à toute une faune qui vivait au temps du Miocène, donc c'est-à-dire une faune qui vivait entre les dinosaures et nous. Donc en fait, il faut imaginer que forcément, entre les dinosaures il y a 65 millions d'années et nous, la vie s'est pas arrêtée, elle a continué d'évoluer. Et donc au Miocène, on a toute une faune qu'on trouve notamment en France. Et donc, elle sera présentée dans cette exposition à Angers. Donc là, vous verrez l'ancêtre des éléphants, l'ancêtre des lamantins, l'ancêtre des singes, etc., etc. Il y a toute une faune, en fait, magnifique, qui vivait à cette époque. Et donc, on est ravis de l'exposer bientôt, on l'espère. Un Ivorax. Tout à fait, ouais. Je montre un peu la campagne de crowdfunding pour exposer justement le Vorax. Voilà, c'était pour Vorax, c'était pour notre plésiosaure, tout à fait. Qui était un succès absolu et total. GG en tout cas à vous pour toutes ces belles initiatives. Franchement, c'était passionnant, hein, Léo. Ah ouais, c'était vraiment. J'ai appris tout un tas de trucs. Moi, j'adore apprendre des trucs. Je suis bercé au documentaire animalier depuis ma plus tendre enfance, que j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est vrai qu'on se concentre dans ces documentaires particulièrement sur tout le temps les mêmes espèces. C'est incroyable de voir la richesse et la diversité de certaines espèces présentes à l'intérieur même d'Animal Crossing et d'avoir les commentaires du coup juste derrière. Ça, je dois bien t'avouer que ça fait vraiment son petit effet. Je te remercie sincèrement. Donc je rappelle, hein, tu es médiateur scientifique au musée d'histoire naturelle d'Angers. Des projets de réouverture pour le musée d'histoire naturelle d'Angers après tout ça, vous savez à peu près quand est-ce que vous non, allez pour l'instant, on n'en sait pas plus. On ne sait pas exactement quand est-ce que vont rouvrir les musées. Donc, on est dans l'attente. Très bien, dans l'attente. Pour l'instant. Et le plus gros projet sur lequel vous êtes actuellement, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? C'est l'exposition que je disais là sur cette faune du Miocène qu'on va exposer courant 2020. Donc, c'est une grosse exposition qu'on va faire. Et donc, là, vous verrez de nombreux fossiles marins et terrestres qui vont retracer donc cette évolution du vivant il y a à peu près 20 millions d'années en fait. C'est ce qui vivait en France il y a à peu près 20 millions d'années. Donc on aura toute une faune fascinante, notamment le mégalodon par exemple, ce grand requin qui faisait sans doute plus de 8 mètres, voire 10 mètres de long, avec une énorme mâchoire. Donc, magnifique. Absolument magnifique. Bah franchement, je pense que j'irai la voir et on se retrouvera à cette occasion. Exactement, j'essaierai de retrouver un chapeau de cow-boy pour pour faire dans l'espace Animal Crossing, ouais. Faudra un hibou avec un deux papes à l'accueil aussi. Voilà, exactement. Merci en tout cas Léo pour ta disponibilité, c'était vraiment... Merci à vous de l'accueil, hein. C'était super sympa de pouvoir le faire en live de cette façon et de pouvoir répondre à vos questions. Désolé pour les petits désagréments techniques, c'est les aléas De toute façon, j'y étais 100% préparé aux déconnexions dans le jeu, donc t'en fais pas. Ça s'est bien passé, au moins tu as pu continuer les explications durant la reconnexion et je t'en remercie beaucoup. Voilà, merci infiniment Léo, on va te laisser repartir pour des activités plus normales. Je sais pas si tu es très occupé en ce moment ou si pour toi c'est... Tu développes des activités quand même depuis chez toi. Bon, voilà, on essaie de développer des activités depuis chez nous. Animal Crossing. Préparer la réouverture. Et, je joue à Animal Crossing. Et je vais essayer de pêcher le sélacanthe parce qu'il me résiste un petit peu le sélacanthe. Ah, sélacanthe, il faut qu'il pleuve. Bah oui, mais bon, j'arrive pas à l'avoir. J'avoue, c'est quelque chose. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Arme-toi d'appât et favorise les pontons.
plus facile, oui, en tout cas pour la diversité, la diversité des poissons. C'est compliqué, je sais, mais tu peux le faire, j'y crois. Je vais y arriver. On te souhaite bonne chance en tout cas, Léo. Bah, merci à tous en tout cas de l'accueil. Merci, et puis, merci beaucoup, Léo, ouais, c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Léo qui nous a fait visiter donc ce musée d'histoire naturelle d'Angers dans quelques